sommes sans doute sur la dernière ligne droite pour cette 46e Assemblée Générale de la FANAF. Et ce matin, mesdames et messieurs, nous aurons une communication sur l'importance. Ce sera dans un instant le temps de vous rappeler que les tests PCR pour le retour se font sur place. Les équipes sont déjà arrivées et vont rester jusqu'à 11h30. Si vous pouvez passer l'information à ceux-là qui ne sont pas encore dans la salle, ce serait l'idéal. Et puis, vous avez également des excursions, je le rappelle encore une fois, pour demain jeudi, à Bandia, à l'île de Gorée et au lac Rose. Et les inscriptions peuvent se faire au niveau du hall avec les équipes qui sont dédiées pour justement cette excursion. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au président de séance, M. Henri-Frédéric Ewellé. Mais je pense qu'avant tout cela, Mme Bouffay, vice-président de la FANAF, devrait mieux placer justement le thème qui nous réunit dans son contexte. M. Mme Bouffay, vice-président de la FANAF, avant que le président de séance ne puisse ouvrir les débats. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour assister à cette grande première qui est un peu ce qu'on pourrait appeler la journée de l'actuariat que nous allons, à partir de cette année, essayer d'instituer pour replacer l'actuaire dans son rôle et dans le contexte des compagnies d'assurance. Donc nous avons fait appel à d'éminents spécialistes de l'actuariat. Si vous voyez autour de cette table, ils viennent de différents instituts et écoles. Donc ils vont ce matin nous parler du rôle de l'actuariat dans une compagnie d'assurance. Donc la séance sera présidée par notre ami et frère, notre aîné Henri-Frédéric Ewellé, donc qui va présider et il aura à ses côtés M. Eric Yonta, qui est le président de l'Association des acteurs africains à Paris, M. Cissé Abdou, qui est le président de Cisco Consulting, et Fode Keita, qui est le président de Siravi. Après cette présentation, nous donnerons une dizaine de minutes à un de nos jeunes cadets qui va présenter très rapidement sur les blockchains pour expliquer un peu, tout le monde entend parler de blockchain, mais dans la pratique, comment ça se déroule, comment ça se passe. On va essayer de le suivre pour mieux comprendre. En tout cas, je souhaite plein succès aux travaux des acteurs. Merci, M. Henri, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Monsieur le secrétaire général de la CIMA et son représentant, Monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget, Monsieur le président de la FANAF, Monsieur le directeur national des assurances du Sénégal, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des assurances, Monsieur le président et directeur général des compagnies d'assurance, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les délégués, chers invités, les acteurs de la zone FANAF sont heureux de vous compter parmi eux ce matin. Et je dois dire que vous êtes des privilégiés de Dieu, parce que ça fait de longues années que les acteurs avaient espéré parler à leur public des assurances et des institutions financières de la zone FANAF.
et ces choses faites ce matin. Et pour ça, nous voulons remercier particulièrement Monsieur le Président de la FANAF et Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise des Assurances, parce que c'est pour la première fois et nous espérons que les autres marchés qui organiseront la FANAF auront l'amabilité de faire comme nous quand c'est bien fait. D'ailleurs, il faut le reconnaître. Et je remercie la salle de donner une salve d'applaudissements pour ces organisateurs qui ont permis que cette journée soit comme elle est ce matin. Merci. Le rôle de l'actuariat, donc de l'actuaire dans le marché, souvent, je suis certain qu'il y a beaucoup qui sont allés dans Google pour chercher la définition de l'actuaire, parce que c'est une espèce qu'on ne rencontre pas forcément dans toutes les faunes. Et pour qu'on se sente à l'aise, je vais demander au plus vieux des jeunes, c'est-à-dire à Abdou Cissé, de nous dire un petit peu ce que c'est qu'un actuaire et ce qu'il fait dans les compagnies, en quelques mots, avant qu'on ne commence, pour que nous commencions dans des bases communes et bien comprises. Merci. Abdou, s'il te plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup et je vais essayer d'être très bref. En fait, nous vivons tous dans un environnement de risque. Et les assureurs, heureusement, sont là pour nous accompagner dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est que le hasard, nous ne pouvons pas le maîtriser. Nous ne savons même pas comment il nous arrive et nous ne pouvons pas le maîtriser. Ce qu'on peut chercher à faire, c'est peut-être de contrôler ses conséquences. Et qui dit contrôler les conséquences du hasard, introduit un peu la notion d'actuariat. Alors je qualifierai un actuaire comme étant un statisticien doté de connaissances poussées qui lui permettent, même s'il n'est pas maître du hasard, de pouvoir mettre en œuvre des moyens de contrôler les conséquences du hasard. J'aurais donné cette définition de l'actuariat, que je considère comme étant très simpliste, mais ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est que d'un pays à l'autre, ce métier a une façon d'être pratiqué qui change. Nous ne sommes ni en Chine, ni en Pologne, nous sommes en Afrique. Et donc, je voudrais qu'on cherche ensemble, à l'issue de ce panel, à essayer de nous donner une conception de l'actuariat au niveau de l'Afrique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ceci a l'avantage de nous positionner sur les mêmes bases, mais il est bien entendu que toutes les questions pour ce qui est des zones d'ombre qui résident vont être posées à la fin de la présentation de nos exposés et surtout poser toutes les questions, même les plus sévères, même les plus gentilles. Nous allons écouter notre premier intervenant, Fodé Keïta. Fodé est le président de CIRAVI, actuel diplômé de l'ISUP à Paris et en ingénierie de travaux statistiques à l'Institut africain et mauricien de statistique et d'économie appliquée de Kigali. Il débute comme actuaire chez Sonamvi à Dakar pour ensuite prendre le poste de chef de département puis responsable technique et commercial de XARVI, devenu soumis Assurance Vie. De retour à Paris, il est d'abord consultant actuel puis senior directeur de mission dans une société de conseil pour ensuite fonder en 2004 CIRAVI, société de conseil et de logiciels dédiés à la retraite et l'assurance présente dans différents pays de la zone CIMA. En France, au Maroc et en Tunisie. En parallèle, Fodé a enseigné à l'ISFA, école des actuaires basée à Lyon, et au sein de la filière actuelle de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Fodoketa est également membre du conseil d'administration de l'Institut international de formation en assurance en actuariat et en gestion des entreprises, IFAGE, basé à Dakar. C'est cette tête bien pleine qui va nous entretenir pendant un petit quart d'heure. Pendant 20 minutes, dit-il, à propos du rôle de l'actuaire. Je vous remercie de l'encourager avec vos applaudissements. Ça s'entend mieux là. Merci, je vous remercie. Pour vous parler d'actuariat, du rôle de l'actuariat au niveau du sujet d'assurance, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les contributions que l'actuariat peut justement apporter au développement des sociétés d'assurance, à leur prospérité, à leur solvabilité. Cela correspondra à autant de rôles pour l'actuaire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais, avec votre permission, faire un bref détour pour rendre un hommage au président Diouf Ndegnan pour son rôle de précurseur de l'actuariat en Afrique francophone. Rappelons que le président Ndegnan est un des premiers actuaires. Un des tout premiers acteurs en Afrique francophone et un des premiers dirigeants de la zone à avoir introduit l'actuariat en société d'assurance. Au-delà de l'actuariat, je pense que le président Souleymane l'a rappelé lundi, il est de ces pionniers qui, avec d'autres références de l'actuariat, de l'assurance plutôt, ont creusé les sillons de l'assurance que nous avons aujourd'hui en zone CIMA. À titre personnel, je ne voulais pas manquer cette occasion pour lui exprimer ma gratitude pour avoir guidé mes premiers pas en actuariat et en assurance, ici même à Dakar où j'ai démarré. Donc je remercie donc ceux qui voudront bien lui transmettre cette expression de ma gratitude. Je vous disais donc que je voulais vous parler donc, des contributions de l'actuariat, mais je vois que ça n'apparaît pas, je pense, pour le point. Bon, je ne veux pas être retenu par cette contrainte technique. Les contributions de l'actuariat, en fait, peuvent être... Comment on peut avancer sur la prochaine? Oui? D'accord. Ah ben. Et donc, pour avancer... Tu vois comment ça avance. Désolé. Voilà, ok, très bien. Merci. Comment tu as fait? Ok, parfait. Je vous disais donc que les contributions de l'actuariat sont multiples et de différentes natures. Et je pense qu'il faudrait plus d'une journée pour les aborder toutes en détail. Je voudrais quand même commencer en rappelant ce qu'on observe habituellement de l'actuariat, ce que je pourrais appeler l'actuariat d'hier. Il y a quelques années, lorsque on allait au département actuariat d'une société d'assurance, l'équipe actuariat était très mobilisée, occupée à réaliser des calculs, à vérifier ces calculs et parfois à concevoir les formules mathématiques associées à ces calculs-là. Donc il s'agissait, il faut le dire quand même, de calculs qui avaient un impact important dans le fonctionnement des sociétés d'assurance, puisque certaines démarches commerciales dépendaient de ces calculs. Certains actes de gestion dépendent de ces calculs et les travaux de la comptabilité dépendent de ces calculs. Donc il y a donc un rôle central quand même de ces travaux de calcul. Aujourd'hui et depuis quelques années, l'informatique a changé la donne puisque l'automatisation de certains traitements
rend moins nécessaire d'avoir à passer beaucoup de temps à réaliser des calculs ou à les vérifier, et cela a libéré du temps pour l'actuariat. Et ce temps libéré a ouvert des perspectives nouvelles pour l'actuariat, a ouvert ou renforcé des axes de travail nouveaux pour l'actuariat. Nous allons en aborder quelques-uns de ces axes de travail. Mais au préalable, je voudrais... C'est celui-là. Ok. Comment ça marche? Voilà, ok, très bien. C'est bon. Au préalable, je voudrais mettre en lumière ce qui fait un actuaire. Donc cela permettra à chacun d'avoir une meilleure vision de ce que fait l'actuaire ou ce que peut faire l'actuaire. Je devrais parler plus modestement d'ailleurs de ce qui fait la base de connaissance de l'actuaire. Cette base de connaissance, c'est d'abord un socle central composé, pour faire simple, d'outils mathématiques qui permettent d'étudier, d'analyser les risques liés à l'assurance et à la finance. À ce socle se greffe un certain nombre de sphères de connaissances, comme la réglementation. La réglementation, pour l'actuaire, c'est une boussole, puisque un actuaire qui travaillerait sans s'appuyer sur la réglementation, sans s'appuyer sur les dispositions contractuelles des différents contrats, en fait, il ferait comme un maçon qui construirait un mur sans repère et dans le noir. La réglementation est donc un élément de repère important pour l'acteur qu'il faut connaître. Il y a la comptabilité. La comptabilité, nous le savons, permet, entre autres, d'évaluer le résultat d'une entreprise, de préparer les états financiers qui sont le document central d'une entreprise. Dans le cadre de l'assurance, et singulièrement en assurance vie, pour évaluer le résultat, pour préparer les états financiers, il y a un certain nombre d'agrégats importants et impactants qui interviennent et qui sont évalués par l'actuariat. L'efficacité commande donc pour préparer les états financiers, pour préparer, évaluer les résultats, que comptabilité et actuariat travaillent en bonne symbiose. De ce besoin de travailler avec l'actuariat, avec la comptabilité en bonne intelligence, et bien sûr d'autres aspects entrent en jeu, de ce besoin naît le besoin pour l'actuaire de connaître la comptabilité sans forcément en être un expert, même si on sait qu'il y a des experts comptables actuels par ailleurs. Il y a ensuite l'informatique. Les acteurs dans leurs travaux ont à manipuler des masses de données, ont à mettre en œuvre des calculs plus ou moins complexes, et pour ces tâches, l'informatique en fait facilite, accélère et fiabilise. Elle est pour cette raison une compagne de tous les jours qu'il faut connaître. Pour être complet dans ce panorama, je devrais ajouter que les acteurs interviennent dans l'assurance, c'est connu, mais également dans la banque, la finance, les caisses de retraite et la prévoyance sociale. Je pense que chacun perçoit de ce panorama qu'il y a derrière un actuaire une expertise particulière, et il est compréhensible que si vous êtes dirigeant et que vous disposez à travers votre équipe actuariale d'une telle ressource humaine, je dirais même d'une telle richesse humaine, pour reprendre le terme d'une DRH qui préférait l'appeler directrice de richesse humaine. Donc si donc vous disposez d'une telle richesse humaine, il faut en faire un bon usage pour le bien de l'entreprise. Bien entendu, ce bon usage, les actuaires ont une première responsabilité et une ambition à avoir, qui est celui de convaincre de la pertinence de leurs contributions, des contributions qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, celui de convaincre de l'étendue et de la portée de leurs travaux. Je vais vous proposer quelques-unes de ces contributions, quelques-uns des axes de travail,
en ayant l'humilité de reconnaître que ce sera loin d'être exhaustif quand on sait l'éventail de tout ce que les acteurs peuvent réaliser comme travaux. Donc je vais donc juste en cibler quelques-uns de ces axes de travail. Le premier de ces axes de travail, c'est un prolongement de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'actuariat d'hier. Donc ça dit c'est toujours réaliser des calculs pour les besoins de l'activité quotidienne. C'est quelque chose qui a son importance, qui garde son importance, parce qu'il faut savoir que, je ne vous l'apprends pas, c'est par ce biais que les provisions techniques des entreprises sont calculées, sont réalisées, c'est par ce biais que les tarifications sont réalisées, et on comprend très bien qu'une erreur au niveau de l'évaluation de provisions techniques peut faire passer un bénéfice en perte. Donc on comprend bien que donc, ce sont des calculs qui gardent leur importance dans le fonctionnement de toute entreprise d'assurance. Simplement, la nature change, la nature du travail change, puisque même si l'actuariat reste responsable de la qualité des résultats, en fait, la nature de son travail change par le fait que l'informatique a pris en charge une partie du travail, et cela a laissé davantage de temps aux actuaires pour réaliser, valider le travail, valider donc tous les calculs faits, valider en aval comme en amont, et cela permet d'assurer une meilleure qualité du travail de l'actuaire, mais cela permet surtout de réaliser des travaux d'analyse. Ces travaux d'analyse, leur objectif, c'est d'apporter un éclairage aux dirigeants d'entreprise. C'est de mettre en lumière les mesures à prendre pour le bon fonctionnement de l'entreprise d'assurance. Donc ces mesures peuvent aller à différents niveaux, peuvent être l'activation de différents leviers dans la gestion de l'entreprise. Ça peut être de revoir la stratégie commerciale, les modes, la politique de sélection médicale, la réassurance, la gestion financière et même les frais généraux. Donc cela touche en fait pratiquement tous les aspects de gestion d'une entreprise. Donc bien entendu, la décision appartient aux dirigeants d'entreprise, c'est le dirigeant d'entreprise qui décide, mais l'actuariat doit jouer son rôle de tableau de bord pour accompagner les dirigeants de l'entreprise. Je pense que vous avez remarqué que les tableaux de bord des voitures modernes n'attendent pas qu'une panne arrive avant de le signaler. C'est à l'avance que vous voyez des clignotants jaunes, des clignotants rouges pour prévenir des mesures à prendre si on veut éviter la panne. En fait, l'actuariat joue le même rôle pour un dirigeant. Pour illustrer ce rôle-là dont je parle, je vais donner un exemple. Les acteurs dans le travail d'analyse utilisent parfois un outil qu'on appelle analyse des marges, qui est une sorte de comptabilité analytique de l'acteur, qui permet de décortiquer, de décrypter les résultats, la rentabilité des différents produits d'un portefeuille. Reconnaissons qu'il serait dommage que de tels outils ne soient pas mis à disposition comme élément d'éclairage, que ce soit pour le dirigeant de l'entreprise, mais comme également pour la direction commerciale de l'entreprise. Le deuxième axe de travail que je vous propose, donc qui est aussi une contribution, c'est lié à l'analyse des données. Ou pour reprendre le terme de mon ami Saliou, le big data, donc pour apporter de l'innovation. Aujourd'hui, on le sait, l'actuariat base son travail en s'appuyant sur des données essentiellement issues de statistiques nationales. Aujourd'hui, nous le savons, il y a des masses de données disponibles de façon numérique, et cette disponibilité ouvre des perspectives nouvelles pour différents secteurs, dont l'actuariat. Elle ouvre des perspectives nouvelles parce que cela permet à l'actuariat d'affiner son travail. Un conférencier a parlé hier de finesse de l'analyse, donc cela permet donc d'apporter la finesse dans l'analyse, d'affiner le travail. Mais cela permet surtout d'apporter de l'innovation. Il est clair que si toutes les entreprises travaillent avec les mêmes règles,
les mêmes bases, il y a moins de place pour l'innovation. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. En 2020, aux États-Unis, le PDG de Tesla a eu pour projet de créer une société d'assurance. Une des premières actions de Tesla avait été de lancer un appel à candidature pour recruter des actuaires. À l'époque, le PDG de Tesla disait qu'il voulait recruter des actuaires révolutionnaires pour mettre en place une assurance révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? C'est que Tesla, étant la société connectée par excellence, dispose d'une masse de données sur sa clientèle ou sur sa clientèle potentielle. Et on peut penser que les actuaires de Tesla feront bon usage de cette masse de données, de cette mine de données, pour concevoir des produits d'assurance innovants. Ce que les acteurs de Tesla peuvent apporter à Tesla, vos acteurs peuvent vous l'apporter. Donc les acteurs donc, peuvent contribuer à l'innovation, donc peuvent donc répondre aux challenges, je pense, que tous les assureurs de la place, notamment en Afrique, ont, qui est d'inventer des solutions, de trouver des produits qui peuvent amener à l'assurance l'écrasante majorité de nos populations dont on sait qu'elles sont en dehors de l'assurance. Et ça, l'actuariat peut apporter une contribution significative à cela, bien entendu en travaillant avec le marketing, le commercial, l'informatique, et bien entendu à condition qu'il y ait les données qui permettent à chacun de travailler dans les règles de l'art. Le point positif, c'est que ces données, il y a un mouvement qui va, un mouvement que les informaticiens pourront vous confirmer, un mouvement qui va amplifier justement la disponibilité de ces données et qui feront donc que les acteurs auront de plus en plus de matière à travailler dans les normes attendues. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas être étonné de voir de plus en plus la création de départements actuariat et analyse des données ou actuariat et big data pour reprendre le terme de Salut. Tellement, on se rendra compte que ces deux champs sont liés. Le troisième axe de travail, le début que je vais aborder en détail, c'est lié au contrôle du risque. Contrôler le risque, bien sûr, Abou en a parlé tout à l'heure, contrôler le risque, ce n'est pas empêcher le risque. Donc, la gestion du risque, on le sait, c'est le cœur d'activité des assureurs. Contrôler le risque, il faut faire le parallèle avec contrôler son véhicule. Vous contrôlez votre véhicule pour arriver à la destination souhaitée dans de bonnes conditions pour les passagers et le véhicule. Vous contrôlez le risque en assurance pour arriver à l'objectif fixé par les dirigeants ou les propriétaires de l'entreprise dans des bonnes conditions pour l'entreprise, c'est-à-dire dans des conditions où l'entreprise ne connaît pas la difficulté sur le chemin. L'entreprise donc préserve sa solvabilité ou même mieux, améliore sa profitabilité. Et sous cela, les acteurs ont une expertise toute particulière qui est toute indiquée, sans entrer dans les détails, qui est toute indiquée justement pour accompagner cela, puisque le travail c'est quand même de la prospective. Et pour les dirigeants que vous êtes, donc c'est l'actuariat peut jouer un peu comme le rôle de lampadaire le long du chemin, qui ferait que vous dirigeants, à l'avance, parce que le chemin est éclairé, vous pouvez voir si vous continuez sur ce chemin en connaissance de cause, en anticipant des dispositions à prendre pour éviter les écueils que vous voyez devant, ou si vous rebroussez chemin simplement pour en prendre un autre. Donc on voit bien sur cet exemple la contribution significative que l'actuariat peut apporter pour accompagner les dirigeants à prendre le meilleur chemin, à prendre le chemin approprié, et on comprend donc que c'est vraiment un accompagnement crucial dans l'élaboration des stratégies que les entreprises, toutes les entreprises d'assurance peuvent faire. Je pense que sur tout ce qui est risque, d'ailleurs, mes copanélistes me compléteront, puisque, comme je le disais, il y a tout un champ de contributions que les acteurs peuvent faire. Donc, il y en a d'autres, mais le temps ne nous permettra pas forcément d'entrer en détail. Il y a la gestion active-passive. Donc là, je pense que Abdou, qui est un spécialiste, vous en apprendra beaucoup.
tout ce qui est valorisation d'entreprise, notamment dans le cadre de cession, acquisition d'entreprise, et même au-delà, puisque vous pouvez le faire même quand ce n'est pas dans le cadre de cession d'acquisition, pour voir le chemin parcouru entre deux périodes. Donc cela peut être très utile, donc il faut le noter. Il y a tout ce qui est certification de provision technique qui vont faciliter le travail de vos auditeurs, qui vont faciliter le travail du régulateur. Il y a la fonction actuarielle pour améliorer la gouvernance. J'avais bien noté le président Ekomi qui rappelait dans le discours d'introduction qu'il fallait améliorer la gouvernance au niveau donc, des entreprises. Et cette fonction actuarielle, je pense qu'on en parlera plus en détail tout à l'heure, peut apporter justement un plus dans cette gouvernance. Donc on peut donc aider à améliorer la gouvernance. Donc, mais tout cela, donc, mes copanélistes compléteront ou dans le cadre des échanges, nous pourrons compléter. Je voulais juste terminer sur un point pour rappeler que les acteurs, ils ont une particularité, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions qui sont de cette façon-là, ils ont une particularité qui est que la qualité ou la pertinence de leur travail, des fois, ne peut être évaluée ou appréciée que des années plus tard. Je vous donne un exemple. Votre département actuariat sous-évalue les provisions techniques. Votre département actuariat sous-tarifie un risque, par exemple. Si vos auditeurs n'ont pas relevé l'erreur, si votre régulateur n'a pas relevé l'erreur, en fait, ces erreurs vont s'inscrire dans la durée. Et c'est des fois des années plus tard qu'on réalise les impacts parfois catastrophiques que cela a sur les résultats de l'entreprise, avec des pertes qui peuvent être astronomiques, qui peuvent affecter la solvabilité de l'entreprise, et même pire, qui peuvent même mettre en péril la survie de l'entreprise. Donc on voit clairement sur cet exemple-là que l'actuariat a une sorte de responsabilité différée pour des travaux qui ont des impacts significatifs sur les résultats, sur la solvabilité des entreprises d'assurance, et même voir la survie des entreprises d'assurance, et sur les intérêts des assurés. L'erreur est humaine, donc on sait que pour tout acteur, l'erreur est possible. Et donc, il faut donc encadrer cela pour justement limiter ces risques d'erreur. Et l'une de ces pistes, l'une des pistes pour l'encadrer, c'est de favoriser autant que possible le travail collectif. Le travail collectif va développer une forme d'intelligence collective qui est le premier garde-fou aux erreurs individuelles. Donc il ne faut pas qu'un acteur soit isolé à travailler tout seul. Il faudrait des normes professionnelles. Donc ces normes professionnelles vont aider, vont encadrer, que ce soit au niveau de la qualification, que ce soit au niveau des pratiques et même au niveau déontologique. Donc ça se fait d'ailleurs dans la plupart des pays avec un niveau d'assurance très élevé. Et tout cela doit être accompagné ou peut être facilité par les échanges et les contrôles qu'il y aura à travers des associations d'acteurs, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau international. Puisque les échanges avec les pairs, en fait, pour un acteur, permet une remise en question, permet de s'améliorer, permet de s'enrichir intellectuellement. Je pense que les acteurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, et donc ça c'est un message tout particulier pour les acteurs, je pense que les acteurs doivent à tout prix éviter d'être isolés, doivent à tout prix être connectés pour favoriser les échanges, puisque sans échange, en fait, l'acteur fait du surplace. S'il fait du surplace alors que tout avance, en fait, de fait, il recule. Et il se sent dépassé par ce qui avance. Donc il faudrait autant que possible favoriser un peu ces échanges. Et ça, c'est un autre message en direction donc, des dirigeants. Il faut accompagner ce mouvement, de favoriser les échanges entre les acteurs, puisque même si individuellement cela apporte beaucoup à l'actuariat, cela apporte beaucoup à l'acteur, mais globalement cela apporte à la collectivité, parce que si les acteurs
manière s'améliorent dans leur travail. En fait, leur apport devient de plus en plus pertinent, leur expertise devient encore meilleure pour justement apporter une contribution encore plus significative au développement de l'assurance, au développement des sociétés d'assurance. Je voulais m'en tenir là, en espérant que nous pourrons apporter des compléments, que ce soit lors des échanges ou par les copanélistes qui vont intervenir. Voilà, c'est tout. Je pense que tout le monde a apprécié l'exposé de Fodé. Moi, j'ai retenu deux points forts. Peut-être que vous en avez retenu, et certainement. Les actuels peuvent permettre à nos marchés de faire entrer dans l'assurance des populations qui, jusqu'à ce jour, en sont encore exclues. Les actuels peuvent le faire. Les actuels peuvent améliorer la gouvernance des compagnies d'assurance. C'est une certitude. Merci d'applaudir encore une fois. Fodé. Avant de passer à le conférencier suivant, qui est mon jeune frère Eric Yonta, je voulais demander à Cissé s'il avait un petit commentaire sur ce que vient de nous dire Fodé. Merci, Président. Merci à Fodé pour avoir bien présenté cette introduction. Et je voulais inviter aussi les DG de compagnie à imposer à leur actuaire la compréhension d'une chose, c'est-à-dire à savoir que l'actuaire, il est le garant, je précise bien, un actuaire est garant de l'intégrité de toutes les données qui sortent d'un système d'information. Un actuaire est garant de l'intégrité de toutes les données qui sortent d'un système d'information. Parce qu'un actuaire passe son temps à faire des calculs. Si les données issues de la base ne sont pas conformes avec la réalité des engagements de l'entreprise, il peut faire des calculs savants, mais il ne pourra pas maîtriser exactement là où va l'entreprise. Je pense que ça, c'est fondamental. Il arrive à beaucoup de nos dirigeants de faire des migrations de données. C'est très important. Pour faire une migration de données en compagnie d'assurance, il faut impérativement disposer de ce qu'on appelle une maîtrise d'ouvrage technique. C'est-à-dire mettre des actuaires en intermédiaire entre les informaticiens et la direction générale qui sait très bien où est-ce qu'elle veut aller dans cette migration. Et ce sont les actuaires qui sont donc dans la maîtrise d'ouvrage technique qui font le link entre les deux parties. C'est la meilleure façon de faire partir des migrations. J'en veux pour preuve, je connais chez AXA des migrations qui ont duré 14 ans et qui ne se sont jamais terminées. Donc si vous faites des migrations et que ça ne se termine jamais, ne vous étonnez pas. Regardez bien, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage technique. C'est ce que je voulais rajouter à ce que mon frère Fodé, qui vient de présenter et qui a développé un outil vie d'une importance capitale et qu'on utilise sur le marché depuis très longtemps. Merci. Merci, Abdou. Eric Yonta, c'est le prochain intervenant. Eric est un ancien X École Polytechnique, un ancien de l'école de l'École nationale de statistique et d'analyse économique, INSAE. Eric est le président de l'association des acteurs africains en France. Eric a travaillé chez AXA comme directeur des risques, et ensuite il a travaillé chez AM Global Risk Consulting. Il est désigné en 2010 comme directeur adjoint de risque chez Aviva France et devient 5 ans plus tard actuel analyste des risques chez AXA. En fait, il est retourné là-bas, on peut conclure qu'il n'était pas mal, mais il s'est senti, comme c'est souvent le cas, besoin de développer ses activités lui-même, et il a fondé un cabinet conseil qui s'appelle IRVA. Eric, nous t'écoutons.
Merci d'encourager Eric par vos applaudissements. Merci, Président. Cher Président de la FANAF, cher Secrétaire Général de la CIMA, Monsieur le Président du Comité d'organisation de cette Assemblée Générale de la FANAF, donc, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi donc, de prendre part en fait, à cet événement avec nous pour pouvoir parler de l'actuariat et de façon plus large du rôle qu'il peut apporter à l'assurance. Alors, voilà. La présentation que je vais faire, voilà, elle va venir compléter ce qu'a dit Fodé Keta il y a quelques minutes. Et elle va être vraiment orientée autour de trois points. Le premier, ce sera de compléter ce qu'il a dit sur le repositionnement de la fonction actuariale au sein de l'entreprise. Et il s'agira d'expliquer d'une autre façon un peu ce que fait l'actuaire et pourquoi est-ce que c'est qu'il fait important. Je vais passer sur un deuxième point qui va être quelques-uns des obstacles que rencontre aujourd'hui donc l'actuariat au sens large pour pouvoir se développer et apporter en fait toute sa valeur au sein de l'entreprise. Et je terminerai par le besoin de se fédérer. Donc, je suis président d'une association d'actuaires qui est née du fait qu'on avait estimé qu'il était important de se regrouper pour être plus fort et faire évoluer la profession. Surtout pour l'Afrique, effectivement. Alors, en ce qui concerne la position de la fonction actuaire au sein de l'entreprise, je vais passer par en fait une approche un peu visuelle qui va être la représentation un peu patrimoniale de ce qu'est une compagnie d'assurance. Donc, la compagnie d'assurance, c'est une société et pour les personnes qui la possèdent, cela représente en fait un élément de patrimoine important. Lorsqu'on essaie de regarder en détail ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir que très souvent dans la comptabilité, on la représente sous forme de bilan. Donc on a l'actif qui représente les ressources dont on dispose, notamment les ressources financières, les immeubles, les ressources matérielles et immatérielles. On a le passif qui représente tous les engagements qu'on a. Donc dans notre métier, c'est principalement vis-à-vis des assurés, et ça se matérialise à travers des provisions techniques, mais également vis-à-vis des banques et autres contreparties. Et puis, la différence entre les deux va correspondre au fonds propre, et donc c'est ce qui va correspondre à la richesse nette de l'entreprise, et c'est ce que possèdent donc les actionnaires de l'entreprise. Donc, tout l'enjeu, donc dans le cycle de vie de l'entreprise, ça va donc être de faire évoluer ce bilan-là. Donc, lorsqu'on passe d'un exercice à un autre, donc il y a donc toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la gestion de l'entreprise, donc toutes les opérations, conception de produits, souscription, commercialisation, gestion opérationnelle, gestion des sinistres, investissement. Et à l'intérieur, on aura également des activités de pilotage qui sont dans toutes les décisions qu'on prend au quotidien pour pouvoir en fait réussir cela. Donc, ça, c'est ce qu'on fait au cours de l'année, et cela va donc permettre au bilan de passer d'une position en fait en exercice N à une position en exercice N plus 1. Et l'objectif, c'est au cours de ce mouvement de pouvoir créer de la valeur. Et l'une des difficultés, pouvoir créer de la valeur dans une année, et puis surtout aussi pouvoir créer de la valeur sur le long terme. Parce que lorsqu'on possède un groupe, lorsqu'on crée une entité d'assurance, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse se développer et qu'effectivement, plusieurs années plus tard, elle vaille beaucoup plus que ce qu'elle valait, ce qu'elle vaut aujourd'hui. Donc ça c'est un premier élément. Un autre élément aussi, donc hier, j'entendais l'organisation parler des universités d'été de la FANAF qui étaient prévues. Et qui devait traiter du sujet de la planification stratégique. Voilà. Comment définir en fait une stratégie à long terme pour l'entreprise et quelle forme cela peut prendre. Typiquement, ce qu'on peut voir ici, c'est que cet exercice de planification va consister, entre autres, à pouvoir travailler sur ce bilan-là de façon à le faire évoluer pour qu'il puisse atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, autour de ça, vont se poser plusieurs questions.
Voilà. On va d'abord constater qu'il y a un caractère dynamique dans l'activité. Bon, on dit souvent chez nous qu'on ne se lave jamais deux fois dans le même feu, dans la même rivière. C'est un peu ce qui se passe aussi pour l'activité d'assurance. Donc, il y a un caractère qui est très dynamique, il y a de nouveaux contrats, il y a de nouveaux risques, l'environnement change beaucoup. Surtout dans nos marchés, on a une très très forte concurrence entre les acteurs. Et puis surtout, le métier de l'assureur, c'est de gérer les risques, donc les risques de ses clients, mais c'est aussi de gérer ses propres risques dans cet environnement-là. Ce qui veut donc dire qu'il y a énormément d'incertitudes autour de la façon avec laquelle on va donc valoriser tous ces éléments de patrimoine. Et surtout, pouvoir le faire sur du long terme, pas simplement en fait à horizon 1 ou 2 ans. Donc, ça va donc amener un certain nombre de besoins. Donc, on a des besoins d'évaluation. Il faut être capable d'évaluer cela, être capable de l'évaluer de façon précise en tenant compte des risques. On a un besoin de projection. On doit être capable de projeter l'activité sur plusieurs années en avant. Et pour pouvoir le faire, on a donc besoin d'outils d'aide à la décision. Il faut que les dirigeants soient capables de prendre les bonnes décisions en matière de pilotage par rapport à tout cela. Et puis surtout, il faut que les outils de mesure qu'on utilise soient les plus objectifs possibles. Donc, le rôle de l'actuaire, c'est précisément d'apporter en fait des moyens ou des outils pour pouvoir faire cette évaluation-là, afin que le dirigeant de l'entreprise et puis toutes les parties prenantes puissent prendre les bonnes décisions dans ce pilotage. Donc ça, c'est vraiment l'objectif en termes de patrimoine. Et c'est aussi pour ça qu'il y a donc un lien direct entre ce que fait souvent l'actuaire et puis la comptabilité, puisqu'à un moment, tout cela va se matérialiser dans les comptes de l'entreprise. Alors, si on essaie donc de voir de façon un peu plus précise les tâches qu'il a à faire au quotidien, donc Faudé l'a dit tout à l'heure, l'actuaire, il est surtout reconnu pour sa capacité d'analyse, de l'information, des contrats et des risques. Et cela passe très souvent par une analyse qui est vraiment quantitative. Elle doit être factuelle, elle est basée sur des données. Et puis elle va donc passer par un certain nombre de postes. Donc, le premier, ça va être de pouvoir mettre un prix sur les contrats et sur les engagements de l'assureur à travers la tarification. Avec cette tarification, on doit pouvoir aider à la politique de souscription, donc choisir quel contrat on choisit de vendre, quels clients on choisit d'accepter dans notre portefeuille, et puis surtout, comment est-ce qu'on positionne cela par rapport à la concurrence. Il travaille également sur le provisionnement, dans le calcul des provisions techniques, donc la matérialisation des engagements qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. Et tout à l'heure, quand je présentais le bilan, je parlais du passif, mais il y a également l'actif, et donc pour la gestion de l'actif, il y a tout ce qui va être la gestion financière des investissements. Donc, tous ces éléments-là, bon, on voit qu'il y a plein de flèches, il y a plein de liens entre ces différentes composantes, donc on peut les regrouper globalement entre deux familles d'objectifs. Une première, ça va être l'analyse de la rentabilité de la compagnie. Donc, en général, le conseil d'administration fixe des objectifs de rentabilité au comité exécutif par rapport à la gestion de l'entreprise. Et il faut que, même si l'assureur gère des risques qui peuvent être importants dans un conseil réglementaire qui est extrêmement difficile, qu'il soit capable donc de rémunérer les actionnaires du fait qu'ils aient investi, qu'ils aient apporté du capital dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier objectif. Et puis un second objectif qui est celui de la solvabilité. Donc l'actionnaire aimerait que, voilà, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, sa société soit toujours là, qu'elle soit toujours solide afin de pouvoir servir le client. Et plus particulièrement, le régulateur aimerait que l'entreprise d'assurance qui a donc porté les risques pour en fait les citoyens soit toujours là pour pouvoir en fait délivrer le service pour lequel elle s'est engagée. Donc, des assureurs qui sont en faillite, cela correspond à un gros problème pour l'équilibre économique du pays. Et donc, il y a vraiment ces deux sujets qu'il faut en fait avoir en tête, à plus court terme, donc la rentabilité, à plus long terme, la solvabilité, et il faut être capable d'avoir des indicateurs qui permettent de le faire. Donc, une fois que tout cela est calculé, bon, on se retrouve avec des dashboards, des tableaux de bord qui permettent donc au management de piloter effectivement l'entreprise en essayant de prendre les bonnes décisions. Et puis, naturellement, tout cela doit aussi être historisé. Donc, il y a tout un reporting qui est fait
pour que l'entreprise apprenne donc d'elle-même de la gestion qu'elle a de son activité. Mais il y a aussi un besoin réglementaire puisqu'on a le superviseur, l'autorité de contrôle, qui souhaite aussi avoir un certain nombre d'informations pour savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise. Et puis lorsqu'on fait partie d'un groupe, on aimerait aussi comprendre qu'est-ce qui se passe au sein des différentes entités qu'on, qu'on contrôle. Bon. L'actuel va donc intervenir, en fait, sur tous ces postes-là. Alors, pour pouvoir être efficace, donc il y a des choses importantes, en fait, à demander à vous actuaires. Cela passe par une bonne connaissance du marché. Il faut connaître le marché dans lequel on travaille. Ça permet de comprendre les risques, ça permet de comprendre les clients, ça permet de comprendre l'environnement concurrentiel. Il faut aussi connaître son entreprise, donc bien connaître en fait les produits qu'on vend, comment est-ce que ça fonctionne. Il faut contribuer de façon effective aux opérations. Donc ça veut dire que, étant donné que l'actuaire fournit des outils d'analyse de risque, il faut que ces outils d'analyse de risque puissent être utilisés de façon efficiente, efficace pour la gestion de l'entreprise. Et puis également un rôle important qui est la communication. Il faut pouvoir communiquer sur ses travaux. Donc, lorsqu'on fait du travail, lorsqu'on fait des analyses, lorsqu'on fait du bon boulot, il faut pouvoir partager donc, cette connaissance-là, ce savoir-faire au sein de l'entreprise. Et cela veut donc dire, cela se traduit donc, à travers une intégration de la gestion des risques dans la gouvernance de l'entreprise. Alors, si je prends par exemple juste un petit focus sur le côté produit, cela va se traduire par le fait que l'actuaire doit connaître l'entreprise, tous les produits qui sont vendus par l'entreprise et bien connaître les garanties. Il faut être actif dans la conception des produits. Donc lorsqu'un produit est placé sur le marché, il faut qu'auparavant, il y ait donc eu tout un processus qui est bien encadré, sa conception, donc pour qu'on ne vende pas des produits inadaptés ou dangereux pour l'entreprise, et aussi la tarification. Et puis, une fois que le produit est conçu, il faut aussi accompagner toute la phase de souscription. Donc, choisir à qui on le vend, à qui on ne le vend pas, etc. Et tout cela, ça se matérialise au moment des inventaires. Donc, de façon régulière, il y a des dates d'arrêté où l'entreprise fait une photo donc, de tous les contrats qui ont été souscrits et donc finalement des nouveaux risques qu'elles ont pris. Donc, ce n'est pas simplement un calcul de prime, c'est effectivement de dire, bah, pour les contrats qu'on a souscrits, effectivement, on a reçu de la prime, mais quelles sont les garanties pour lesquelles on s'est engagé et puis combien ça va nous coûter avec donc toute une phase autour du provisionnement. Voilà. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres sujets qui doivent être pris en compte. Donc, Faudé en a cité un certain nombre. Construire en fait l'opinion sur les positions techniques. Donc, ça, c'est extrêmement important. Contribuer à la politique de gestion actif-passif. Donc, on a vu que sur le bilan, on avait l'actif et le passif. On a des cash flows, on a des flux de trésorerie qui doivent être faits de part et d'autre. Il faut faire en sorte que les deux puissent être alignés. Il faut continuer à la surveillance du portefeuille, donc s'assurer qu'on garde en portefeuille les bons risques. Il faut veiller à la veille réglementaire, il faut contribuer à la politique de réassurance, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive et on voit donc que finalement son rôle va se décliner en fait à différents niveaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à un marché qui a communiqué en fait sur la défaillance en fait des entreprises sur son territoire. Donc là, ce sont les États-Unis. Et ce que j'ai regardé, c'était en fait quelles sont les études qui avaient été faites sur les défaillances d'entreprises. Donc ici, la défaillance, c'est le fait que l'assureur ne puisse plus faire face à ses engagements. Et donc, quand ça arrive, en fait, le régulateur le met sous surveillance et lui demande de mettre en place un plan de redressement. Donc là, ce sont les défaillances. Et parfois, ces défaillances, lorsque le plan de redressement ne fonctionne pas, se traduit par des situations d'insolvabilité. Donc là, par exemple, aux États-Unis, on a donc un historique où on voit comment le nombre de sociétés insolvables a évolué depuis... là, c'est sur la période 1994-2017. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y en a pas zéro. Donc, parfois... Donc, il y a des accidents industriels comme ça qui arrivent. Et puis, on voit aussi qu'il y a une tendance générale à la baisse. Maintenant, si on essaie de s'intéresser aux raisons pour lesquelles ces sociétés se sont retrouvées dans des situations de défaillance, déjà, c'est un peu le camembert qui est en bas à gauche.
Ce qu'on peut voir, c'est que les raisons auxquelles on s'attend ne sont pas forcément celles qui se manifestent le plus, comme par exemple des catastrophes naturelles. Donc, ce n'est pas le plus important. Le fait qu'on ait un réassureur défaillant, parfois ça arrive, mais ce n'est pas le plus important. Des changements majeurs sur le business, donc ça, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'on change complètement la stratégie, ça s'accompagne de risques, il faut pouvoir bien l'accompagner. Des problèmes sur la politique d'investissement, on voit qu'il y a un certain nombre de cas qui sont concernés par cela. Des cas de fraude, donc ça c'est du risque opérationnel qui peut arriver lorsqu'on a un dispositif de contrôle interne qui n'est pas assez efficace. Et puis, il y en avait deux qui étaient importants, enfin que moi je mets ensemble. Tout ce qui est en fait une croissance trop rapide de l'activité, qui très souvent est aussi lié au fait qu'il y a une forme de relâchement sur la politique de souscription. Donc, on souscrit trop de contrats et on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'on souscrit. Et puis surtout, des problèmes sur le provisionnement. Donc, de sous-provisionnement, qui se traduit aussi par de la sous-tarification, ça, c'est vraiment le premier facteur qui avait été constaté. Et donc là, c'est sur un historique qui est quand même assez long. Et on voit que finalement, ce sont souvent les mêmes raisons qui reviennent. Et ce qu'on peut aussi voir, c'est que par rapport à la déclinaison des tâches, enfin, des métiers, des responsabilités de l'acteur qu'on a vu précédemment, sur chacun de ces postes-là, l'acteur intervient. Donc, après, il y avait une description un peu détaillée donc, de qu'est-ce qui avait motivé cela. Donc, on voyait que jusqu'en 87, donc, il y avait à peu près 60% des défaillances qui étaient causées par le sous-provisionnement. Il y avait une quarantaine de cas où on avait cité des problématiques de mauvaise gestion. Et puis, dans la majorité des défaillances qui avaient été identifiées, on s'était rendu compte qu'il n'avait aucune opinion sur les provisions techniques qui avaient été communiquées. Donc, sur une période un peu plus récente, donc entre 88 et 90, on est toujours à peu près à 60% des défaillances qui sont liées au sous-provisionnement, et puis toujours en fait la mauvaise gestion qui apparaît en fait en second lieu. Voilà. Donc, l'un des points qu'il faut reculer ici, c'est que ce qui avait manqué, c'était l'absence d'une opinion actuarielle dans le cadre de la gestion de l'entreprise, notamment par rapport au provisionnement. Donc, là, quand ça manque, cela se traduit par le fait que l'entreprise est un peu pilotée à vue et puis ça conduit à des problèmes. Et puis, on cite également le nombre de cas où l'opinion a été donnée formellement par des actuaires ou par des actuaires qualifiés. Donc, si on regarde une période qui est beaucoup plus récente, il y a quand même un petit bémol. Lorsqu'on a fait un focus, on a vu qu'il y avait aussi d'autres facteurs qui sont ajoutés par rapport à ça. Donc, en général, quand l'entreprise est très petite, quand elle est relativement nouvelle, donc elle manque d'historique de données pour pouvoir bien évaluer son risque. Quand elle est petite, elle a une problématique autour de ses faits généraux. Ou quand elle est concentrée sur certains secteurs d'activité, là, pour le coup, elle a des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à bien diversifier, elle n'arrive pas à bien diversifier son risque. Et naturellement, le fait qu'il fallait associer donc une analyse des risques, donc en général à travers l'opinion actuarielle, dans le cadre de la gestion. Donc, ça, cette étude-là, donc il y en a quelques-unes comme ça qui avaient été faites. Et typiquement, quand au sein de l'Union européenne, on a travaillé sur le programme de réforme de la solvabilité, des études comme celle-là ont fait partie, en fait, du point de départ en termes d'analyse. On s'était en fait intéressé à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'une société d'assurance soit en difficulté. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre, comment est-ce qu'on peut donc organiser le cadre réglementaire pour pouvoir y faire face. Et ça a donc eu plusieurs conséquences, comme le fait que, déjà, on a insisté plus sur l'identification des risques, sur le fait que le calcul des provisions devait être extrêmement bien encadré, sur le fait que la solvabilité, la façon avec laquelle on calcule les indicateurs de solvabilité a été engagée, et puis surtout, le fait qu'on a considéré, on a vraiment mis en avant le fait que la gouvernance des risques de l'entreprise était la responsabilité du conseil d'administration. Donc c'est un sujet de gouvernance qui est vraiment important. Et puis, autre point important, en ce qui concerne particulièrement la fonction actuarielle, en fait, elle a été désignée comme une fonction clé au sein du cadre de la réglementation. Donc c'est une fonction qui existe. Le titulaire du poste est validée par l'autorité de contrôle et puis elle vient communiquer directement au conseil d'administration en fait la situation sur voilà
la situation actuarielle de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple, en fait, donc d'intégration de la fonction actuarielle au sein de la gouvernance, qui a donc été issue des travaux autour de la réforme de la gouvernance. Donc ici, on voit qu'on a un rôle particulier qui a été donné à l'actuaire par le régulateur, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre que le régulateur, en fait, l'impose aux sociétés pour pouvoir, en fait, l'intégrer au sein de nos entreprises. Donc, sur cette partie, ce qu'il faut, ce que je retiens, c'est que ce qu'il faut, c'est améliorer la gouvernance, et notamment la façon avec laquelle on prend une décision dans l'entreprise, en faisant en sorte que ce soit sur base étayée, en prenant bien en compte, en fait, les enjeux de risque, de gestion de risque. Donc, que, d'une part, les personnes qui font ces études-là ne sont pas des centres de coûts, mais qu'il faut plutôt les percevoir, en fait, comme des personnes susceptibles d'améliorer et puis de rendre beaucoup plus performant l'entreprise. Alors, en matière d'obstacles, moi, je n'en ai retenu que 4, puisqu'il faut surveiller le timing. Donc, le premier, naturellement, dans le cadre du métier de l'actuaire, voilà. Le premier enjeu, vous vous en doutez, ce sont les données. C'est l'accès aux données. Il faut avoir des historiques de sinistres longs, vraiment spécifiques au portefeuille de l'entreprise quand c'est possible. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir des données de marché. Il faut avoir des informations sur le comportement des consommateurs et des entreprises. Enfin, pas sur le comportement des clients, pas que des sinistres. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que pour un même produit, on aura des clients qui ne se comporteront pas de la même façon. Et donc, cela aura des conséquences soit sur la vente, soit sur la sinistralité. Donc ça, ça fait vraiment partie de la connaissance du marché. Ils font un bon système d'information. Donc Faudé l'a dit tout à l'heure. Ils font un système d'information qui soit efficace et qui permet donc, en fait, aux utilisateurs, que ce soit l'actuariat, le contrôle de gestion, donc d'accéder directement à ces informations pour pouvoir travailler dessus. Et autre point important pour les données, il faut aussi qu'il y ait des données partagées par le marché. Donc, que les acteurs, les entreprises du marché partagent une information pour que, de façon globale, elles puissent mieux prendre en compte les risques. Donc ça, c'est le premier facteur sur les données. Le second concerne, en fait, tout ce qui est autour de la qualité des données. Donc, 6 Abdou en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose de vraiment crucial. Collecter des données, c'est bien. Si ces données sont de mauvaise qualité, on ne pourra que, en fait, faire du travail de mauvaise qualité sur leur base, ou alors passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur leur analyse et sur leur retraitement. Moi, je sais que particulièrement lorsque j'étais jeune actuaire, j'avais au moins 50 à 60% de mon temps qui était dédié uniquement à la collecte et au traitement des données. Parce qu'avant de les utiliser dans un modèle, il fallait être sûr de les comprendre. Et puis être sûr d'expliquer, en fait, pourquoi est-ce qu'on les utilisait pour l'analyse. Voilà. Donc ça, je vais passer. Abdou en a parlé. L'autre point, le deuxième enjeu, c'est la tarification. Et avec la tarification, la souscription. Ce qu'on demande en général à l'actuariat, c'est de donner un prix sur les garanties. Et ça, c'est un problème qui n'est absolument pas trivial. Donc ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est un peu la dynamique qui est autour de la problématique de la tarification. Donc déjà, la tarification, une bonne tarification doit partir des coûts. Il faut qu'on soit capable d'identifier, enfin de prévoir combien nous coûte le contrat en termes de sinistre, mais aussi ce que ça nous coûte en termes d'organisation de l'entreprise autour de la gestion de ces sinistres-là. Une fois qu'on a ces coûts, il y a toute une mécanique qui se met en place pour pouvoir donc intégrer au sein de la tarification la cible. On définit un produit par rapport à une cible. Donc il faut être capable de bien identifier cette cible-là, parce que ce qu'on sait, c'est qu'en fonction de la cible, on n'aura pas la même sinistralité. Il faut être capable de moduler les garanties. Donc comment est-ce qu'on fixe les franchises, comment est-ce qu'on fixe les exclusions, etc. Quel type de risque on choisit de prendre. Donc ça, c'est également un facteur qui est important. Donc, lorsqu'on fixe le prix, il y a un prix qui est technique et puis il y a un prix qui est commercial. Voilà. Donc, il faut être capable de faire la nuance entre les deux, justement pour pouvoir mieux, en fait, piloter la souscription et puis aussi pouvoir mieux gérer les campagnes commerciales. Donc, choisir ce sur quoi on investit en se disant que, voilà,
sur ce risque-ci, enfin sur ce type de risque, on peut un peu baisser la prime, mais on va se rattraper dans le temps. Et puis surtout, la tarification, elle fait partie d'une stratégie qui tient aussi compte des objectifs qu'on donne à l'entreprise. Donc voilà, en général, le management, le conseil exécutif, le comité de direction a des objectifs en termes de croissance, en termes de part de marché à atteindre, en termes de résultats techniques, en termes du coût du capital. Et tout cela, ça doit être payé par la prime. Si on oublie quelque chose dans la prime, on aura des problèmes après. Et donc, la problématique de la tarification, ça concerne tout ça. Et il faut être capable de donner un prix. Donc hier, il y avait toute une discussion assez intéressante sur le risque cyber. Donc, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que lorsque vous demandez à votre actuaire de donner un prix sur la garantie cyber, en fait, dans sa tête, c'est tout ça qu'il doit faire. Hein. C'est tout ce mécanisme qu'il doit gérer. Et puis surtout, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on manque encore beaucoup de recul sur la sinistralité. Par exemple, lors de la première journée, le président d'Africare, dans les exemples d'attaques cyber qu'il citait, avait cité le cas d'une attaque qui avait eu en 2017 qui était WannaCry. Donc c'est une attaque qui, à la base, en fait, ciblait l'Ukraine. Enfin, parce qu'on a vu que les pays, enfin les entreprises touchées, elles étaient principalement situées en Ukraine, et qui après s'est propagé. Ça s'est propagé dans le monde. Et en plus, ça s'est propagé en fait avec un mécanisme qui était assez technique parce que ça passait par Windows et ça utilisait le protocole de Windows qui permet en fait de détecter les imprimantes, les autres ordinateurs qu'il y a dans le réseau. Ce qui signifie qu'en fait, avec une seule personne infectée, en fait, il n'avait plus rien à faire, c'est son ordinateur tout seul qui contaminait toute l'entreprise. Donc, vous voyez bien que sur des risques comme cela, il est extrêmement compliqué d'évaluer quelle va en fait être la surface d'attaque, le niveau de propagation du risque. Et je ne rentre même pas dans la qualification juridique qu'on a eue sur les garanties matérielles, etc., etc. Donc, pour moi, ça c'est vraiment un second obstacle en fait au métier de l'actuaire. Et voilà, il faut pouvoir le faire. Donc, les points suivants portent sur la productivité, donc ça veut passer, et sur la communication. Donc, ça, c'est un point qui est important. Il faut pouvoir communiquer. Donc, l'actuaire doit pouvoir communiquer sur ses résultats. Et il faut aussi que, de façon générale, l'actuaire puisse communiquer au sein de l'entreprise. Donc, ça va nous amener au point suivant, qui est dans le besoin de fédération. Donc, tout à l'heure, Faudé a parlé du fait que lorsqu'on était actuaire, c'était extrêmement dangereux de se retrouver isolé. D'une part parce que l'être humain est un animal social, il a besoin de vivre en communauté, et particulièrement en fait dans la communauté du risque. Sur ce sujet, ce qu'on a pu voir, c'est que les challenges qu'on a portent sur la formation, sur l'expertise qu'il faut acquérir, sur le fait de définir des normes et des bonnes pratiques, donc qui s'appliquent à tout le métier. Après, il faut être à jour. Dans la recherche et développement, par exemple, le risque cyber, c'est un sujet de recherche aujourd'hui. Il faut que les actuaires puissent être au point. Il faut pouvoir donner des positions publiques et aussi pouvoir gérer l'évolution de la carrière des actuaires. Donc, pour pouvoir le faire, cela demande en fait une organisation. A priori, enfin normalement, dans chacun des pays en fait, de la zone CIMA, il faudrait que des actuaires puissent se regrouper et s'organiser en institut, en fédération, afin de pouvoir travailler ensemble et que cette fédération soit présente dans chacun des pays et puis puisse aussi être présente tout au long de la zone CIMA. Nous, ce qu'on a fait au niveau de l'AAA, c'est que en fait, nous sommes en fait des actuaires de la diaspora. On s'est rendu compte de ces besoins et on a en fait décidé de créer nous-mêmes une fédération des actuaires pour pouvoir en fait travailler sur ces problématiques-là. En essayant de travailler sur la promotion de la fonction actuarielle, donc au sein des entreprises, mais aussi au sein des étudiants, pour attirer beaucoup plus de monde en fait sur le métier. Au niveau de la fédération, donc essayer de rassembler les actuaires. Donc nous travaillons en particulier avec beaucoup d'associations actuarielles locales pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent se développer. Et puis que finalement, on puisse en fait grandir ensemble. Il y a également sur des sujets en termes d'interaction, d'animation et puis d'insertion professionnelle. Donc,
Ça a été fait par des actuaires qui vivaient en fait en Occident. Beaucoup sont rentrés, d'ailleurs certains des anciens présidents qui sont rentrés comme Emre Kanga ou Hervé Audio, pour revenir sur le terrain et puis pouvoir le faire. Et puis nous avons un enjeu actuellement qui est donc de pouvoir structurer cela, donc déjà pouvoir nous structurer au sein de notre association, mais aussi pouvoir nous structurer en parallèle avec les associations en fait sur le continent. Donc comme notamment l'association sénégalaise dans laquelle milite Abdou. Je pense que je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Merci. Merci Eric. Vous avez tous constaté que si on n'arrête pas, on allait continuer à causer. Merci beaucoup. Et vraiment, si j'ai retenu une chose pour nous fondamentale, c'est que l'actuariat est une fonction clé de l'entreprise d'assurance. Les compagnies qui hésitent encore à avoir un actuaire, vraiment, allez-y, n'hésitez pas. C'est une fonction clé. L'actuaire va vous donner beaucoup d'informations sur la rentabilité de votre affaire et sur sa solvabilité. Merci. Est-ce que le grand frère ici me regarde? Je pense qu'il avait aussi. Non. Il n'a rien à ajouter. Je vous remercie pour vos applaudissements. Nous allons écouter Abdou Cissé. Je ne sais pas s'il faut que je le présente à Dakar, mais je vais essayer. Abdou est le PDG du groupe Cisco Consulting Solviso. En fait, Abdou est un passionné de mathématiques et il les a fait dans tous les sens. Comme d'habitude, comme il a fait les mathématiques dans tous les sens, il a atterri fatalement à l'actuariat à l'ENSAE. Il s'est occupé à Dakar des mathématiques jusqu'à être un enseignant, puis il s'est laissé tenter par le calcul stochastique. Ça, c'est les mathématiques dans un univers incertain. Et 10 ans après, il s'est retrouvé au sein du pôle actuariat des cabinets conseils Aston et CSCPIT, Nawit, et entièrement dédié au continent africain. Il a finalement décidé de créer un cabinet qui accompagne les banques, les assurances, les caisses de prévoyance et tout type d'entreprises dans les domaines de l'actuariat, de la finance, de la gestion actif passif, de la gestion des engagements sociaux et de la gestion des retraites. Abdou a dirigé 4 mémoires d'actuaires EIA à Paris, Institut des actuaires, dont le dernier en 2009 proposait une réponse au projet Solvency 2 centré sur le calcul du capital économique par la méthode des déflecteurs stochastiques. Abdou a également publié de nombreux articles orientés vers l'actuariat. Le dernier que j'ai lu avec de l'expression, c'était sur le franc CFA, le contrat un petit peu biaisé entre nos États et le trésor français. Si vous avez écouté ce que Abdou a fait et qu'il est capable de faire, je vous remercie de l'applaudir pour qu'il puisse présenter son papier. Merci, Monsieur le Président. Présenté comme ceci au Sénégal, on aurait dit que vous avez motivé un coq au point où il saute pour donner des coups de tête. Donc je vais essayer de ne pas donner de coups de tête, mais je vous remercie, et en remerciant aussi M. le Président de la FANAF, M. le Secrétaire Général de la CIMA, M. le Président de l'Association des Assureurs du Sénégal et tous les délégués ici présents. Et je vais essayer juste de faire un complément aux deux présentations de mes brillants compatriotes. Pour toujours le cadrer et replacer l'importance de l'actuariat dans une compagnie d'assurance, mais dans un contexte beaucoup plus gestion actif-passif. Pourquoi? Parce que vous avez choisi un thème au niveau de cette Assemblée Générale sur les risques systémiques. Et la gestion actif-passif s'inscrit en droite ligne dans
dans les risques systémiques. Pourquoi? Parce qu'on ne pratique pas la gestion active-passive quand il y a un problème. On pratique la gestion active-passive avant que les problèmes n'arrivent. Et c'est la raison pour laquelle l'importance de l'actuariat dans ce travail est capitale. Pourquoi en assurance on devrait faire de la gestion active-passive? Si nous prenons la société qui s'appelle la compagnie sucrière sénégalaise ou la société qui fabrique de la bière chez toi, la SABC, c'est des entreprises dont l'activité se lie à l'actif du bilan. Si on veut comprendre que représente l'activité de ces entreprises, on va lire à l'actif du bilan. Donc, c'est des entreprises pour lesquelles on lit le bilan de gauche à droite. Mais quand vous êtes en assurance, c'est le seul métier où vous lisez le bilan de droite à gauche. Parce que si vous voulez comprendre quelle est l'activité d'une compagnie d'assurance, vous allez au passif. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle il n'est pas possible de faire de l'assurance sans faire de la gestion actif-passif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je suis d'accord avec moi. Il faut que je fasse passer les slides, je ne vois pas ici. On va passer à la présentation. Ah. Je vais essayer de vous présenter peut-être 4 à 5 slides. Les autres slides seront disponibles dans le document que je laisserai à la FANAF. On va essayer brièvement de regarder l'actuariat en lien avec ce que j'appelle l'ALM. L'ALM étant la gestion active-passive. Asset and Liabilities Management en assurance. Pour cela, je vais prendre un exemple en vie et non vie que je vais traiter avec vous. Après, on regardera brièvement les principes de la gestion active-passive et surtout les alternatives à la solvabilité des risques en zone ciblant. Après, on prendra peut-être 3 à 4 minutes pour parler de la connexion entre l'actuariat et l'économie qui nous entoure. Pour cela, je ferai quelques revues actuarielles de contrats d'État dont mon cher grand frère vient de parler tout à l'heure sur le franc CFA et surtout le comité actif-passif. Ah. Il n'a pas l'air de vouloir. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, je ne vais pas vous donner des définitions généralistes de ce que c'est que la gestion active-passive. J'ai en face de moi beaucoup de dirigeants d'entreprises de compagnies d'assurance. Je vais traiter des exemples avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me poserez des questions. Mais je pense que ce ne sera pas facile d'être d'accord avec moi. Si j'ai une compagnie d'assurance, IRD, je vais commencer par l'IRD. Et donc, je vais être au cœur de ce qu'il y a sur la slide, c'est la valorisation d'une compagnie d'assurance. J'ai une compagnie, et en 2019, en octobre 2019, j'avais décidé de fermer la société au 31 décembre 2019. Je suis au 1er octobre 2019. Mon frère, il faut que tu m'aides parce que si je me trompe... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est une affaire... Je suis en octobre 2019 et j'ai décidé que le 31 décembre 2019, j'ai fait ma compagnie d'assurance IRD. Je la ferme, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me débrouille pour payer tous les sinistres, mais j'ai dit qu'au 1er janvier, je ne prends aucune prime. Ah, et si je veux fermer ma société, je ne peux plus prendre de prime. Arrivé le 31 décembre, le régulateur me dit, écoutez, vous savez, il y a des sinistres qui se déclarent très tard. Il y a des délais de 3 ans de déclaration. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, au 1er janvier, je ne prends plus de prime. Et je respecte les délais de 3 ans, je règle tous les sinistres déclarés tardivement. On arrive donc au 1er janvier 2022, les délais sont terminés, donc j'ai fermé ma société, je regarde la différence entre ce qui me reste, ce que j'ai payé et ce qui me reste, j'ai de l'actif net, j'appelle tous les actionnaires et on partage l'argent. J'ai le droit de faire ça, parce que c'est une compagnie IRD. Qu'est-ce que je veux insinuer par là? C'est que
Si aujourd'hui je veux valoriser ma compagnie d'assurance IRD, lui donner une valeur, parce que je veux vendre 50% de la société, ou je veux vendre 30% de la société, ou que je veux vendre complètement la société, si je ne calcule pas dans la valorisation ce qu'on appelle la valeur terminale d'une compagnie d'assurance IRD, je vais me tromper. Une compagnie d'assurance IRD dispose de ce qu'on appelle une valeur terminale. Donc quand on la valorise, on ne peut pas rester sur le prix des actions qui existaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans quand on avait créé la société. La société a beaucoup de potentiel, a développé beaucoup de choses, a une valeur terminale, il faut compter la valeur terminale. C'est encore pour vous dire l'importance de valoriser vos compagnies tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour savoir qu'est-ce que vous valez sur le marché. Si demain vous devez filer des actions, vendre des actions, mais quelle est la valeur de votre société? Ça, je peux le faire en IRD, mais en vie, je ne pourrais pas le faire. Donc, M. Fay ne pourra pas demain dire c'est une assurance vie, moi maintenant j'ai un certain âge, c'est terminé, quoi. Je vais arrêter à partir de demain. Non, parce que lui, il a des engagements envers ses assurés. Et ces engagements portent sur une durée. On dit très bien que, donc, il y a une duration de son portefeuille. S'il veut arrêter son activité, il est obligé de rester tout le temps de la duration de son portefeuille. Aujourd'hui, les portefeuilles d'assurance vie ont une duration de 10, 15, 20 ans. Chez Soulou, vous en trouvez même sur 40 ans, 50 ans. Donc, ce ne sera pas facile de vendre la société. Mais, si on mesure la valeur de la société, on doit faire attention dans le contexte de notre zone ciment, parce que je parle encore de l'Afrique. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, les gens font de la gestion du passif, ils le font à leur façon. Moi, je parle de comment on doit le faire dans notre continent. Ici, on est plutôt confronté au coût de la garantie. Les sociétés vivent. Pourquoi? Parce qu'une compagnie vit garantie à ses assurés, très souvent 3,50 ici, et gère un actif général, donc n'est pas cantonné, gère un actif général, et très souvent, il est arrivé sur les 20 dernières années que le taux de rendement de l'actif général n'arrive pas à payer même les 3,50 de la garantie. Et dans ce cas, on est confronté à ce qu'on appelle le coût de la garantie. Et si vous devez valoriser votre compagnie vie et que vous n'êtes pas dans une problématique de coût de la garantie et que vous donnez même de la participation au bénéfice, vous garantissez 3,50, mais il est arrivé des années où vous avez donné 4,50 ou 5 parce que vous avez donné une participation au bénéfice, il faut que quand on vous valorise, qu'on reste sur ce que vous avez garanti, les 3,50. Qu'on ne mesure pas vos engagements par rapport aux 4,50 ou 5 que vous avez donné dans le temps. Je le dis en connaissance de cause, parce qu'une entreprise africaine m'avait demandé de l'accompagner dans une forme de due diligence, et dans ce cadre, les Français sont venus nous dire que, voilà, vous avez versé 4,50, 5, 6 sur les années précédentes, donc on reste sur cet engagement. Non, l'engagement reste de 3,50, parce que s'il reste sur des engagements de 4,55, le prix va diminuer. Et quand on parle de prix qui va diminuer, c'est là où on vient vraiment au cœur de la gestion, de la valorisation d'une compagnie. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait passer en vertical le cas d'une société vie, le cas d'une société IRD. Et on va essayer maintenant de prendre en horizontal. Ah non, je vous ai parlé en horizontal et là, je vais parler en vertical. Alors, quand j'ai une compagnie et que je veux connaître sa valeur, je dois faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que la vraie valeur d'une compagnie d'assurance se calcule en prenant l'actualisation aujourd'hui de l'ensemble de ses flux, de ses bénéfices futurs, auxquels on retranche le coût du capital et l'ensemble des taxes. Qu'est-ce qu'on appelle coût du capital? C'est le coût d'immobilisation du fonds propre. Donc si vous voulez valoriser une compagnie d'assurance, vous projetez ses bénéfices futurs, vous les actualisez. Vous avez donc la valeur du portefeuille. De cette valeur du portefeuille, vous allez retrancher le coût du capital et les taxes. Et ça, vous êtes sur une valeur de portefeuille auquel vous allez ajouter l'actif net. Et dans l'actif net, vous avez les fonds propres, etc. Et quand vous avez à faire ça, vous devez comprendre que en vie, vous devez le faire portefeuille par portefeuille.
Si vous avez des emprunteurs, de l'épargne, des mixtes, des contrats, des IFC, tout ça, vous devez le faire portefeuille par portefeuille, la projection. Donc, calculer la valeur d'un portefeuille, donc calculer l'actualisation des bénéfices futurs, c'est un calcul d'actuariat. Ce n'est pas un calcul de comptabilité. Vous ne pouvez pas valoriser vos entreprises en allant chercher une société d'expertise comptable. Ce n'est pas possible. Pour valoriser une compagnie d'assurance, on passe par l'actuariat. Je tenais à ce que l'ensemble des dirigeants qui sont ici puissent avoir cette conception. Et très souvent, on vous valorise ici en Afrique, on ne vous donne pas de goodwill. Qu'est-ce que j'appelle goodwill? C'est le potentiel que vous développez en tant que compagnie d'assurance. Aujourd'hui, si je vous donne 5 milliards, vous pouvez aller à Ouagadougou et ouvrir une compagnie d'assurance. Parce qu'il y a opportunité encore de gagner de l'argent en assurance en Afrique. Le marché n'est pas très saturé. Mais si je vous donne 10 milliards, vous allez à Paris. Si vous voulez ouvrir une compagnie d'assurance, vous allez avoir des problèmes. Le marché est saturé. Donc, il n'y a pas d'opportunité de créer de l'assurance en France. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on valorise une compagnie d'assurance en France, on ne met pas de goodwill. Les Français ne valorisent pas en goodwill. Ils restent sur vraiment l'embedded value. Je vais y revenir tout à l'heure, qui est la valeur du portefeuille auquel on ajoute l'actif net. Mais chez nous, on ne peut pas valoriser nos entreprises sans mettre du goodwill parce qu'on a du potentiel. Donc, faites attention. On ne peut pas utiliser la norme occidentale spécifiquement en zone africaine. Ce que j'appelle norme occidentale, c'est la façon de faire en Occident. On ne peut pas l'appliquer ici directement. Voilà pourquoi je tenais vraiment à échanger avec vous sur ces problématiques. On peut passer au deuxième. Alors, j'ai passé 10 minutes sur un slide. Donc, si j'en présente deux encore, je pense que c'est terminé. Alors, là, j'aurais souhaité donc vous parler un peu des principes de la gestion actif-passif. En fait, pourquoi on en a parlé. Un contrat d'assurance se représente par une succession de flux financiers qui sont aléatoires. Et la finalité pour un assuré reste sa solvabilité et sa rentabilité. Ceci est en corrélation avec la structure du passif, donc ses engagements, la structure de l'actif, ses placements, et la maîtrise de l'activité par les interactions actifs-passifs. De façon horizontale, l'intégrité des données issues de la base de gestion des contrats passe par un système d'information qui est fiable, traçable et pérenne, en corrélation avec la maîtrise et le contrôle de l'activité qui passe par l'actuariat et la perception du marché financier sur le long terme. Donc, l'activité d'assurance, ça, le texte est long, mais je préfère le lire parce que pour moi c'est très important. L'activité d'assurance nécessite périodiquement une mesure, donc détection et gestion, des risques qui pèsent sur le bilan de l'entreprise par des estimations comparées de l'exigibilité du passif avec la disponibilité de l'actif. Ça nécessite aussi des simulations d'impact de variation d'indicateurs économiques sur le passif et l'actif, et aussi une optimisation de la valeur de la compagnie. Quand on regroupe ces trois principes, c'est qu'on a parlé de la gestion actif-passif. Vite. Il ne veut pas partir, fâché. Voilà. Alors, l'histoire et la géographie de la gestion active-passive. Vous voyez l'histoire, j'en ai fait une histoire de l'Occident, et la géographie, j'ai fait la géographie plutôt en Afrique. Pourquoi l'histoire en Occident? Parce que on est passé de la comptabilité aux interactions active-passive. Et en Occident, les banques avaient une activité qui reposait sur le fait d'emprunter sur le court terme, sur des taux courts, et de prêter de l'argent sur le long terme. Et les taux longs ont toujours été supérieurs aux taux courts. Dans les années 80, on a eu ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. On a eu des taux longs inférieurs aux taux courts. Donc le différentiel avec lequel les banquiers travaillaient, gagnaient de l'argent, ce différentiel était resté négatif. Du coup, ils ont pris conscience qu'il faut pratiquer de la gestion active-passive.
Mais nous, pourquoi on doit en pratiquer? Et c'est là où je suis plutôt dans la géographie de la gestion active passive, parce que je le place dans le contexte de l'Afrique, en horizontal. Nous sommes dans un environnement assurance et un environnement de marché financier spécifique à nous. On est aussi dans un environnement politico-économique. On a connu dans notre zone des périodes où des États avaient vendu des emprunts d'État à un taux, par exemple, de 4-5 ans. L'emprunt devait faire 5 ans. À la troisième année, l'État appelle tous les créanciers pour dire, bon, écoutez, on vous avait proposé 4-5 ans, mais là, on est obligé de diminuer pour le reste du temps, vous allez avoir du 3-5 ans. Vous voyez, ça, c'est spécifique chez nous. On l'a connu sur le marché. Heureusement que ces derniers temps, nous sommes tellement solvables que ces problèmes-là, on les a un peu dépassés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons pratiquer chez nous de la gestion active-passive. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai presque conclure sur deux slides. Celui-là et le suivant. Et le reste, je vais traiter avec les questions. Je vais faire plaisir à la CIMA, parce que quand même, en imposant aux compagnies d'assurance et de réassurance d'atteindre 5 milliards de capital à l'horizon 2021, la CIMA leur demande implicitement de mettre en pratique la gestion active-passive en continu. C'est-à-dire mettre en pratique l'optimisation de leur marge active-passive, fonds propres et fonds de commerce, limiter les coûts de fonds propres relatifs à la réalisation de leurs risques, mettre en pratique une gestion rigoureuse de leur marge de solvabilité, mettre en pratique la mesure de la richesse patrimoniale de leur compagnie par la valorisation économique et prospective, créer une valeur actionnariale croissante. La CIMA demande au secteur des assurances de pratiquer la gestion active-passive en illustration, la gestion des risques qui pèse sur le bilan et l'évaluation de la valeur de la compagnie. Donc, je définis la gestion active-passive par deux termes. C'est la gestion du risque qui pèse sur un bilan et l'évaluation de la valeur de la compagnie. Bon, là, le slide explique un peu le risque. On peut sauter, parce que les gens pourront le lire. Ici, on définit brièvement l'actif net, la valeur du portefeuille, le goodwill, comment corréler tout ça pour avoir la valeur d'une compagnie et comment aussi regrouper certains éléments pour faire ce qu'on appelle l'embedded value. Tu peux passer encore. Voilà. Et là, je voudrais attirer l'attention de tous les DG. Tout à l'heure, j'ai bien remercié la CIMA parce qu'elle vous a imposé de faire de la gestion active passive, mais en vous demandant un capital de 5 milliards, on pourrait aussi améliorer ceci d'une part. Pourquoi? Parce que pour couvrir le capital réglementaire de 5 milliards par des fonds propres économiques, donc j'invite le marché à quitter la façon de faire du bilan historique et à venir dans ce qu'on appelle un bilan économique. Les marchés de la zone CIMA peuvent solliciter la CIMA, donc le marché, afin qu'elle autorise les assureurs, comme c'est le cas en Europe, à couvrir sans limite leur marge de solvabilité avec leur valeur actionnariale classique, qui se trouve être le capital social plus les réserves plus le repos à nouveau, mais complété par le fonds de commerce de l'assureur, qui est la valeur actuelle du profit futur net de coût du capital et net d'impôt. Cette valeur actionnariale complète, encore appelée valeur sans engagement, est considérée sous la norme solvabilité 2 comme des capitaux propres de première qualité. Une telle mesure est acceptée sur le plan international et se justifie financièrement. Cette valeur actionnariale complète, en vision économique du bilan de l'assureur, mesure exactement sa marge active-passif. Ce passage du bilan comptable classique au bilan économique obligera toutes les compagnies à pratiquer la gestion active-passif. Zone CIMA, solution proposée par Cisco Consulting sur le Viseo. Je mets en référence un article dans lequel je traite exactement cette problématique de passage au bilan économique. Alors là, brièvement, en deux minutes, c'était pour essayer de vous montrer quel est le lien entre l'actuariat et l'économie. Je prends l'exemple de notre terre que vous avez visitée et que vous avez très bien appréciée. L'ETR, certes, ça nous a fait plaisir, mais ça a créé beaucoup de bruit dans notre pays, ça a soulevé beaucoup de choses. Mais il y a eu un événement qui a touché l'actuariat.
À un moment donné, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, notre président de la République, a invité EFA, je pense, à revenir sur la table de négociation en leur disant, vous écoutez, on avait prévu de se voir une fois tous les ans, et par rapport aux flux financiers etc., d'un contrat, et donc, et là même, c'était pas le terre, c'était l'autoroute à péage. C'était l'autoroute à péage. Donc, il faut qu'on revienne sur la table et qu'on négocie encore parce que les montants sont élevés et ce qu'on avait prévu et ce qui se passe là, c'est pas la même chose. Vous voyez bien, le président. Donc, on convoque tout le monde et on leur dit maintenant, bon, on ne va plus attendre tous les ans pour se revoir, on va se voir tous les mois ou tous les deux mois. Après, on dit, voilà, les flux étant de nouveau très élevés, il faut donc qu'on change le partage. Ça veut dire que le président de la République du Sénégal a convoqué un comité actif-passif par rapport au projet qui se trouve l'autoroute à péage. Vous voyez bien? Donc si avant de bâtir le contrat, il y avait un esprit actuel dans la façon de gérer, de bâtir le contrat, on n'aurait pas attendu aujourd'hui pour dire, parce que moi, si j'étais dans le deal, j'aurais tout de suite prévu des comités actifs-passifs. Et vous voyez l'importance de la gestion active-passif au niveau de nos États. Et en termes de revue actuarielle, nos États ont signé de multitudes de contrats avec d'autres pays, des multinationales. Mais si l'on reprend ces contrats et qu'on en ait une lecture actuarielle, on pourrait trouver des choses qui vont nous arranger et on peut améliorer nos relations avec les autres. Je vous remercie. Il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que nous félicitons d'ores et déjà la FANAF pour la pérennisation de la journée de l'actuariat dans le journée de la FANAF parce que les actuaires ont beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de secrets à vous dévoiler et beaucoup de marges à apporter dans la rentabilité de nos entreprises. Nous allons terminer avec un jeune actuel qui a un travail qu'il voulait nous présenter. Blockchain. Vous savez, on a parlé de l'évolution du métier d'actuel. Eh bien, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les actuaires sont obligés de suivre parce qu'il y a de nouvelles techniques qui se mettent en place pour rendre un compte très serré et très juste de l'activité et des potentialités de nos compagnies. J'invite donc notre jeune auteur à prendre le micro. Ah, tu es là? À prendre le micro, là. Pour présenter en 10 minutes et nous remercions l'assistance de cette patience qui n'excédera pas 10 minutes. Merci. C'est avec le pointeur, c'est plus facile. Prochain slide, s'il vous plaît. J'ai pas la télécommande en fait. Voilà. Ça marche. C'est bon, ça va. On commence par collecter les questions. Ok. Avant qu'on attaque la présentation de blockchain, nous allons prendre les questions de l'assistance.
micro-baladeur. Le micro-baladeur. D'accord. Donc, il y a une question ici, une question là-bas et une là-bas. Attendez, suivez-moi. Suivez-moi, ne me prenez pas le pouvoir. Commencez là-bas. Voilà. Madame, levez bien la main pour qu'on vous identifie. Et ensuite, il y a deux autres questions ici. Vous déclinez votre identité et vous posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Fatih Guissé de la Sonam Assurance Vie Sénégal. Je vous remercie, chers panélistes, pour vos exposés qui ont été très enrichissants et très brillants. Donc j'avais trois questions. Le premier, donc, je voulais qu'on se recadre un peu dans le thème qui nous réunit pour cette Assemblée Générale, donc qui est les risques systémiques. Donc du point de vue de l'actuaire, quelle est la définition du risque systémique ? Et quelle peut être la contribution de l'actuaire dans l'anticipation et la gestion de ces risques? La deuxième question, c'est depuis tout à l'heure, on voit qu'on positionne l'actuariat dans les calculs et les analyses mathématiques qui sont assez sophistiquées. Donc j'aurais souhaité que vous abordiez un peu la pertinence de confier des métiers qui sont relatifs au commercial et à la gestion des risques clients à un actuaire. Et ma troisième question, elle était plus adressée à Abdou, c'est comment mettre en place la gestion active passive de manière pédagogique et progressive dans une compagnie d'assurance. Je vous remercie. Merci. Bonjour, je suis Madame Asséa Yobo, contrôleur à la direction des assurances du Congo-Brazzaville. J'ai une question pour Monsieur Abdou Cissé. Vous avez parlé de l'importance de l'évaluation d'une société et vous avez donné un petit détail de comment cela se faisait. Mais sauf que au niveau du goodwill, je ne sais pas comment. Je me demande comment vous pouvez apprécier cette donnée. Comment le quantifier? Merci. Alors, là. OK. Après, il y aura une dernière ici. Hein. Merci. Monsieur le Président. Ah, c'est Wadjou. Je suis Wadjou Diallo de la Sosonamovie. J'ai une question qui est une question pratique. Parce que si on se réfère au texte de l'OADA en matière d'actualisation des engagements des indemnités de fin de carrière, je vais lire d'ailleurs le texte de l'OADA pour que ce soit précis et qu'il n'y ait pas d'erreur. L'OADA dit « Le taux à utiliser pour actualiser l'engagement doit être déterminé par référence au rendement procuré par les obligations émises par les entités de première catégorie avec une monnaie et une durée cohérente avec les engagements évalués. » Et il continue en disant, en l'absence de marché liquide de ce type d'obligation, le taux d'actualisation est déterminé par référence au rendement des obligations émises par l'État. Alors, moi, ma préoccupation est celle-ci. Si nous prenons une compagnie d'assurance vie qui face à un contrat indemnité fin de carrière signé avec une entité, garantit un taux d'intérêt de 3,5%, voire même fait un taux de rendement qui tourne autour de 4%. Est-ce que pour valoriser, pour actualiser ces engagements, est-ce que la compagnie d'assurance est obligée d'utiliser le taux tel que préconisé par l'OADA, qui peut être en totale déconnexion
avec son taux de rendement réel ou le taux d'intérêt garanti. Voilà ma question et j'aimerais quand même avoir une réponse de nos éminents actuels parce que ce sujet-là peut être un sujet de préoccupation pour nos compagnies. Merci. Merci à Dieu. Le micro ici. Le micro ici et ça sera pour la série la dernière question. Je vais vous montrer la main pour qu'on vous voit bien. Non, c'est pas lui, c'est ici. Merci bien, je suis Omar Doum, membre du bureau exécutif de la FANAF. Je voulais dans un premier temps apporter la précision que la phase 2 d'augmentation du capital social, c'est à l'horizon du 31 décembre 2024. Hein. Voilà. Donc, ayant donné cette précision, ma question, elle est la suivante. C'est par rapport au contrat d'assurance tout dommage sauf ou tout risque sauf que nous, assureurs, nous commercialisons, souvent, bien entendu, sous la pression des courtiers d'assurance. Donc, ma question, c'était de savoir, vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous pensez en termes de tarification de ce genre de contrat? Parce que c'est des contrats dans lesquels c'est les exclusions qui sont, on va dire, données de façon limitative. Donc, les événements garantis sont, on peut dire, théoriquement infinis. Et en première journée, on parlait de la perte d'exploitation sans dommage. Donc, dans les polices touristes sauf, il y a ce risque-là. Donc, vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une approche particulière pour tarifier ce genre de contrat? Parce que l'assureur est vraiment exposé à l'heure où nous vous parlons. Merci. D'accord. Merci. Nous allons... Tu veux prendre la parole? C'était la dernière question de la série. Oui. Nous allons répondre. Et ensuite, nous allons écouter notre ami pour le blockchain. Oui, président Alpha Nomen. Merci, monsieur le président Henri. Je voudrais simplement remercier les panélistes de cette conférence. Comme nous l'avons dit à l'entente de notre propos, cette journée était plus que nécessaire. Les interventions que nous avons suivies sont de très haute facture et surtout complémentaires. C'est ce qui ont suivi attentivement ont compris que tout a tourné autour de gouvernance, de données, de solvabilité. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs acteurs, mais sans une bonne gouvernance de la société, rien ne sera respecté. Vous pouvez avoir de bons acteurs, mais sans de la bonne donnée, on ne peut pas aboutir à des chiffres qui tiennent la route. C'est pour dire également que l'actuariat ne concerne pas seulement l'assurance vie. Je crois que ça a été démontré au cours de différents discours. Les sociétés d'annonce ont aussi bien, comme les sociétés vie, besoin d'acteurs. Parce que ce que nous observons aujourd'hui sur ces marchés, sur nos marchés, est plus que catastrophique. On ne fait pas de l'actuariat. Les tarifs sont fixés au plus fenêtre. On est capable de diminuer de n'importe quel pourcentage pour gagner une affaire. Et comme on l'a vu, l'interactivité entre le passif et l'actif montre que si vous tarifez mal, vous aurez des problèmes pour payer vos sinistres parce que vous n'aurez pas suffisamment de ressources pour le faire. Si vous ne payez pas vos sinistres, c'est l'industrie qui perd de sa crédibilité. Si vous n'avez pas assez de primes, vous ne pourrez pas investir. Vous ne pourrez pas payer vos primes, vous ne pourrez pas investir. Si vos engagements ne sont pas correctement dimensionnés, la surprise est devant.
Donc, de l'actuariat, mais dans la bonne gouvernance. Encore une fois, merci Henri, merci Abdou, merci Eric, merci Fodé. Je ne suis pas déçu. Je suis aujourd'hui très fier et comblé. Voilà, je vous remercie encore une fois. Merci, Président. Nous allons passer la parole à Cissé, qui va commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Et ensuite, les copanélistes vont apporter leurs compléments en cas de besoin. Alors, si, par contre, sur la... Alors, remercier d'abord tous ceux qui nous ont interpellés par des questions. Pour la première question, sur la définition même du risque systémique, j'ai suivi avec attention les panels qui se sont déroulés lundi et mardi, et c'est vrai que de la même sorte que j'ai essayé de donner une définition de l'actuariat tout à l'heure, je pense que définir le risque systémique est encore très très délicat. En tout cas, je vais peut-être pas la définir telle quelle, mais je vais me mettre à regarder comment les prévenir. Alors, l'idée de systémique, en tout cas, c'est né des marchés financiers, c'est quand un phénomène issu d'un environnement spécifique et touche tout le monde. C'est ça l'idée de spécifique. Alors, maintenant, vous savez, au Sénégal, une petite pluie peut nous créer un problème dans peut-être 15, 20 quartiers en même temps. On pour moi, dans ce contexte-là, on est dans le systémique. Tout ça a ajouté à toutes les définitions qui ont été données. Mais, moi, je considère que pratiquer la gestion active-passive, c'est d'abord prévoir des risques systémiques. Parce que quand vous faites de la gestion active-passive, vous dites que dans 5 ans ou dans 6 ans, si tel scénario et tel autre scénario se réalisent, voilà comment la compagnie va s'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun problème, tout marche, on donne des dividendes, on fait tout, mais l'idée c'est qu'est-ce qui peut apporter des problèmes? Quels sont les scénarios de catastrophe qui peuvent arriver? Mais si ces scénarios arrivent, voici les armes qu'on a pour le faire. Mais ça rejoint un tout petit peu la deuxième et la troisième question où vous dites mais comment mettre en place de façon pédagogique, doucement, toute cette gestion active-passive. C'est vrai, c'est ici dans notre contexte, pour faire la gestion active-passive, il faut qu'on commence par le déterministe. Je vais m'expliquer. En France, on a l'habitude de faire de la gestion active-passive en utilisant des scénarios stochastiques, donc des scénarios aléatoires, etc. C'est bien, mais moi, ici en zone ciment, j'ai démarré la gestion active-passive avec des scénarios déterministes, où je sais quel est le taux d'intérêt que j'ai donné, je sais quels sont les taux d'intérêt que je prévois de fixer dans 1, 2, 3, 4 ans, donc une courbe de taux extrêmement plate, etc. Donc, faire doucement et s'organiser dans la résolution des problèmes de nos sociétés. Ce n'est pas pour rien que en 2017 et 2018, j'ai fait un séminaire sur les contrats en unité de compte et un séminaire de gestion active-passive. On l'avait coupé en deux. On avait fait le module 1 de la gestion active-passive. On n'a pas pu faire le module 2 et 3 parce qu'il y avait la pandémie. Mais je veux vous assurer que dès le mois de juillet, je reprends les séminaires. Et c'est dans les séminaires de gestion active-passive qu'on apprend réellement comment on installe la fonction active-passive dans une compagnie. Tu peux rajouter, ouais. Donc, si je peux juste compléter sur cette première question. Donc, il y a beaucoup de définitions qui existent pour le risque systémique. Donc, par exemple, l'une de celles qui avait été donnée, je pense, hier, c'était de dire un événement particulier qui entraîne par réaction en chaîne des effets négatifs considérables sur l'ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de dire qu'une crise qui intervient à un moment donné finit par mettre en difficulté la totalité du système. Donc, ça a été pris. Notamment dans le cadre des risques financiers, notamment pour pouvoir en fait identifier des banques systémiques. Donc des banques qui s'y est tombées en faillite toutes seules,
pouvait mettre en fait en difficulté tout le système économique. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est un événement particulier qui met en difficulté la totalité du système. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour identifier ce type de risque-là? Ça passe pas de la prospective. Il y a vous avez des chercheurs, vous avez des entreprises, vous avez des assureurs conseils, des bureaux d'études qui mettent souvent à jour des cartographies où globalement ce qu'on dit, c'est qu'on essaie d'identifier les 10 risques, les 20 risques les plus importants, et on suit ça année par année. Et sur cette base-là, on essaie de voir quelle est la relation qu'il y a entre les différents risques. Parce que finalement, ce qui est vraiment important, c'est l'effet de corrélation et le fait que plusieurs risques soient liés entre eux et puis se combinent entre eux. Donc, c'est par exemple ce qu'on a vu avec le Covid, ou avec un risque, et le fait que ça se propage, enfin, et le fait que ça ait de très très fortes contraintes logistiques, c'est devenu quelque chose de global. Si je prends un autre exemple, imaginez par exemple qu'on vous dise que Internet ne marche plus. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Donc ça, c'est un exemple de risque systémique. Et donc, la prospective et la cartographie, ça permet de les identifier. Et donc, très souvent, les régulateurs le font sur les marchés qu'ils ont à gérer pour pouvoir, en fait, prévenir, enfin, avoir une gestion proactive ou préventive de ce type de risque-là. Lorsqu'on identifie un risque qui peut être systémique, on demande, en fait, aux entreprises du secteur de travailler pour pouvoir limiter. Et dans ce type d'exercice, les actuaires peuvent aider. Parce qu'ils vont participer en fait à la cartographie des risques, c'est tout comme les risk managers. Et puis ils vont aussi pouvoir travailler sur des éléments de valorisation. Donc ça c'est pour un premier sujet. Il y avait une deuxième question, donc très pertinente, parce que dans ma présentation, j'ai parlé du fait que l'actuaire, il était associé à la tarification, et puis il était associé à la souscription, et donc ça voulait dire qu'il était aussi associé en fait à la politique commerciale. Mais par contre, je n'ai pas dit que l'actuaire se substituait aux équipes commerciales. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de dire qu'il, en fait c'est une dialectique entre les deux. Il y a l'un qui analyse les risques et puis qui permet et qui conseille en fait le commercial dans l'acte de vente. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir ça. Et puis réciproquement, le commercial qui est en contact avec le terrain, qui connaît les clients, apporte des informations à l'actuaire pour que celui-ci puisse affiner. Donc c'est vraiment un travail en tandem qui est fait, et à tel point que si on prend l'exemple par exemple chez des réassureurs, c'est que l'organisation est vraiment faite, est vraiment centrée autour du souscripteur. Donc toute l'organisation aide le souscripteur à placer les risques, à souscrire du risque. Mais dans cet exercice-là, très souvent, enfin, notamment chez les grands réassureurs, on leur associe toujours une équipe d'actuaires qui va en fait les aider à pouvoir en fait évaluer le risque, donc savoir combien ça coûte, et puis évaluer de plusieurs façons quel va être l'impact sur le client. Est-ce que c'est un risque qui est sériel, combien ça va coûter comme prime, combien ça va coûter comme provision, combien ça va coûter comme capital, et de façon à ce que quand le souscripteur décide en fait de faire un contrat avec un client ou avec un autre, tous ces éléments-là soient déjà pris en compte au moment de la souscription et pas après. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Okay. La deuxième question. Je voudrais compléter pour répondre à la question de Fatih sur la pertinence justement d'avoir des actuaires aller justement au-delà du commercial. En fait, effectivement, on a parlé du fait que l'actuaire, il est bien centré sur un aspect mathématique avec un certain nombre de connaissances. Mais bien sûr, dans sa fonction actuarielle elle-même, il ne fait pas de commercial, donc il n'y a pas d'amalgame dans les fonctions. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a cette expertise-là qu'on ne peut pas aller au-delà. En fait, il faut voir, le cordonnier, s'il décidait de vendre, il serait le meilleur vendeur de chaussures. Donc, les actuaires, à la base, ils sont quand même à la base de la conception des produits. Ils sont censés être ceux qui connaissent très bien le produit. Donc, bien entendu, c'est des conceptions en général collégiales, puisqu'on associe quand même le commercial. Tout le monde n'a pas le talent de commercial, puisque c'est ça la clé, en fait. Donc, si on a le talent de commercial, même s'il y a des écoles de commerce, on sait que ça ne s'apprend pas, c'est des fois inné. Donc, c'est des choses qui se font dans le temps. Si on a cette expertise-là, si on a ce talent-là, rien ne l'exclut qu'un acteur, parce qu'il a une bonne compréhension des produits, qu'il en soit aussi le vendeur. Donc, maintenant, par contre,
tant qu'il est actuaire, il n'y a pas d'amalgame dans les fonctions. Donc il est actuaire, il fait son travail d'actuaire, il fait son travail d'alerte, de tarification. Si demain sa responsabilité change, évolue, il peut être commercial. Moi qui vous parle, mes dernières activités ici à Dakar, j'étais plus commercial qu'autre chose, pour vous dire. Voilà. Merci. Nous allons continuer à répondre. La parole est à Abdou. Tout à l'heure, on fera un deuxième tour de questions. C'est pour compléter la réponse. S'il vous plaît, le micro baladeur. C'est notre ami Salou qui est acteur et qui va. On va répondre, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vois la Djuru qui secoue la tête. Tu auras la réponse. Voilà, merci. Salou Bakayoko. C'est le directeur général de l'Institut national de la Côte d'Ivoire acteur. D'abord, je voudrais dire vraiment merci à mes collègues pour ces pour ce qu'ils viennent de nous dire, particulièrement pour la petite histoire, en fait, de Kéïta, le nommé à l'USUP, il était à la promotion avant moi. Merci Fodé pour tout ce que tu viens de dire. Alors, je voudrais juste apporter la réponse à la question du dialogue. Je pense que ce n'est pas. En ce qui concerne l'utilisation du taux d'actualisation dans le produit IFC. La différence entre ce que Léo a dit et puis ce qui se fait dans les compagnies d'assurance, c'est ça. Mais je pense que dans l'instant où la société a externalisé auprès d'une compagnie d'assurance, ça devient un peu plus vite. Parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls à la compagnie d'assurance vie à évaluer les engagements, les passifs sociaux des compagnies. Maintenant, quand c'est chez le cabinet conseil, généralement, ils prennent ce que Léo a dit. Mais dans les compagnies, nous sommes obligés de nous caler sur. Comme on appelle le taux maximum de 3,5. Je pense que c'est un problème qui est posé à l'ensemble des marchés. Hein. C'est pas seulement ici au Sénégal, ça se passe un peu partout, puisque nous avons tous, nous sommes tous sous le régime de l'OADA. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour les risques systémiques, je pense que Eric l'a dit clairement, le rôle de l'acteur, ça va être au niveau d'abord de la meilleure connaissance du risque et de la prévention, ce qui va se faire donc par l'analyse avec le big data, l'analyse des données, des modèles prédictifs, de simulation même de risques systémiques pour pouvoir effectivement bien prévoir et bien connaître le risque. Je pense que ça aussi, il fallait ajouter à. Je pense à une dame qui a posé la question dans ce sens-là. Merci. Si Abdou a deux questions encore auxquelles il va répondre. Normalement, je devais commencer par la deuxième question qui touche le goodwill, mais je vais d'abord répondre à M. Diallo par rapport à l'OADA et le taux de rendement qu'il considère déconnecté avec ce que l'OADA a préconisé. J'attire l'attention de la CIMA que nous sommes dans un marché et que l'actuariat est un métier. Lorsqu'on veut le pratiquer, il faut qu'on le pratique correctement. Les engagements sociaux sont des régimes. Les engagements sociaux sont des régimes. Dans ces régimes, vous avez l'indemnité de fin de carrière. L'indemnité de fin de carrière dit que si un employé termine sa carrière dans une entreprise, vous lui devez un montant d'indemnité de fin de carrière. Et l'indemnité de fin de carrière, c'est un passif social. On assiste à la naissance d'un passif social dès lors qu'il y a un décalage entre un droit à prestation et l'instant T auquel ce droit est payé. Votre salaire, on vous le doit au 31, on vous le paye. Dans les normes même, on vous le doit le 15. Voilà pourquoi, si au-delà du 15, un salarié vient demander une avance sur salaire, l'entreprise est obligée de le payer. En Angleterre, pour que le salaire ne soit pas en passif social, on paye toutes les semaines. Attention, donc, l'indemnité de fin de carrière, c'est un passif social. Et ce passif social, si une entreprise décide de le gérer et de le couvrir chez un assureur, donc d'externaliser, ça devient autre chose. L'engagement reste au niveau de l'entreprise, c'est l'entreprise qui porte l'engagement. Seulement, il a décalé cet engagement-là en donnant une délégation de pouvoir à l'entreprise de société d'assurance pour la gestion. Maintenant, si
la compagnie d'assurance gère le passif social. Et qu'on est au 31 décembre et que la compagnie doit valoriser l'indemnité de fin de carrière pour demander une prime additionnelle ou etc. Ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle l'engagement en termes de valorisation. Il faut séparer ça du fait que dans le contrat IFC que vous, les assureurs, vous avez signé, vous vous êtes engagé à capitaliser les montants que vous recevez à 3,50. Ça n'a rien à voir. L'engagement de retraite, sa valorisation, c'est-à-dire l'actualisation des flux futurs, parce que quand on calcule l'engagement de l'IFC, on projette le portefeuille IFC pour amener tout le monde jusqu'à la retraite. C'est ça. On prend tous les salaires, on amène tout le monde jusqu'à la retraite. On calcule l'engagement de retraite, et comme on est différé dans le temps, on actualise les taux, le montant, pour arriver à la date d'aujourd'hui. Dans cette actualisation-là, on ne peut pas utiliser le taux que vous avez garanti. Faites extrêmement attention. Là, j'insiste, parce que c'est un problème crucial sur ce marché. Donc, le taux auquel vous avez garanti, vous, le montant qu'on vous a donné, le fonds IFC, n'a rien à voir. Ils sont même pas des cousins. C'est même pas des cousins. Parce qu'on m'a dit qu'ils sont de même père, les demi-sœurs. C'est même pas des cousins. Avec le taux auquel vous devez actualiser les flux. L'OADA a dit que si vous devez actualiser les flux, utilisez le taux moyen des emprunts d'État. Certes, etc. Mais même l'OADA s'est un peu trompé. Mais l'erreur de l'OADA n'est pas une erreur fatale. L'OADA devrait dire, quand on actualise des flux financiers, on doit tenir compte de la duration du portefeuille. C'est-à-dire le temps qui reste pour que tous les salariés aillent à la retraite. Ce temps-là, on doit regarder sur le marché financier, est-ce qu'il existe des titres dont, qui ont un rendement dans ce temps. C'est ce qu'on appelle le rendement vraiment lié à la duration du portefeuille. Il faut combiner ce taux avec le taux moyen des emprunts d'État, mais il ne faut pas utiliser le taux d'assurance, le taux technique d'assurance qui est de 3,50. Dans notre marché, le taux technique d'assurance, on l'a coïncidé tout le temps avec le taux garanti. Mais c'est deux choses qui mathématiquement n'ont aucune relation. Ils peuvent s'intercaler, mais ce n'est pas la même chose. Donc, qu'on fasse extrêmement attention, le taux d'actualisation des flux n'a rien à voir avec le taux auquel on a placé le fonds. Ça, j'invite vraiment la CIMA à inviter toutes les compagnies vie à un séminaire. Je suis prêt à me décarcasser pour expliquer l'actualité des engagements sociaux. Pourquoi ? Parce que l'OADA va plus loin. L'OADA demande aux compagnies, aux entreprises, même si vous avez externalisé, faites-moi le reporting 16B et 16B bis. Le reporting 16B, qu'est-ce qu'il fait ? Il mesure les écarts qui peuvent exister sur l'engagement. Le reporting 16B bis n'a de sens que lorsque vous avez externalisé, parce qu'on compare la valeur du fonds, sa valeur financière, le placement, avec l'engagement. Et s'il y a écart, si l'écart est négatif, on vous demande de payer une prime. Si l'écart est positif, l'entreprise n'a aucune obligation de payer une prime. Il faut faire extrêmement attention. Nous avons des jeunes actuaires qui sont venus dans nos compagnies, qui n'ont pas trouvé de senior dans nos compagnies. Il faut les accompagner. Dans les conditions normales de pression et de température, je ne devais pas rester un mois sans faire un séminaire. J'ai 60 ans, je ne peux plus, et ce que je connais, je suis obligé de le partager avec les jeunes. Mais il ne faut pas qu'on s'entête. Je dis, en Afrique, on a l'impression que les gens pensent qu'ils ont tout compris. Il faut faire attention. L'actualité des engagements sociaux, ce n'est pas du jeu. Il faut qu'on fasse extrêmement attention sur ce point. Et là, j'invite la CIMA vraiment à prendre ce problème à cœur et de faire attention parce qu'il y a des experts comptables qui s'amusent à calculer des engagements de retraite et qui ne comprennent même pas ce que c'est la différence entre un taux d'actualisation et un taux de placement de fonds. Je suis désolé d'avoir un ton un peu plus truc, mais c'est juste que je suis très emporté par mes convictions dans ce domaine, quoi. Pour la question concernant le goodwill, je pense que c'est une excellente question. Ça veut dire, elle nous donne la chance d'expliquer encore en quoi l'actuariat est important. Parce que lorsqu'on calcule la valeur d'un portefeuille d'assurance, donc lorsqu'on calcule, lorsqu'on fait l'actualisation du profit futur, les profits futurs ne peuvent pas se caler sur les affaires nouvelles. On les cale sur le portefeuille en tant que tel aujourd'hui. Ce qu'on a en portefeuille, donc on ne met pas d'affaires nouvelles. Mais le goodwill nous dit, mais quel est le potentiel que cette société a? Mais cette société va avoir des affaires nouvelles. Donc, on travaille sur ce que donnent les affaires nouvelles
à la date d'aujourd'hui. C'est ça le goodwill. C'est exactement ça le goodwill. Et ça, si vous ne le calculez pas, vous trouvez une valeur d'entreprise qui n'a aucun sens. Je pense avoir répondu à ces deux questions. Je vais laisser le président pour la troisième question posée par mon frère de la FANAF. Il a posé une question tout à l'heure sur l'augmentation du capital, mais j'ai pas bien entendu. Le micro était très très. On entendait effectivement très très mal. Voilà. Le micro de mon mari. Mais en attendant, le micro pour le président, s'il vous plaît. Le micro pour le président de la Fédération sénégalaise des assurances. Est-ce qu'il peut écrire? Tiens. Est-ce qu'il peut écrire? Est-ce qu'il peut écrire sa question? Il écrit sa question. Oui. Vous m'entendez maintenant? Donc, ma question était relative à la tarification des contrats d'assurance tout risque sauf ou tout dommage sauf. Voilà, parce que c'est des contrats dans lesquels l'étendue de garantie là n'est pas définie. C'est les exclusions seules. Donc, en tant qu'actuaire, quelle préconisation vous pouvez faire? D'autant plus que ce n'est pas une tarification ligne de garantie par ligne de garantie. Et j'attirais aussi l'attention sur le fait que il y a des assureurs qui ont été exposés à la perte d'exploitation sans dommage, sans qu'ils aient eu une contrepartie. Voilà, donc c'est un peu ça ma préoccupation. Merci. Oui, Président, avec votre permission, juste une petite question pour M. Cissé, qui semble avoir une conviction sur cette problématique des indemnités de fin de carrière. Alors, c'est vrai que sur le plan technique, peut-être qu'il a raison, mais sur le plan juridique, puisque aujourd'hui nous avons deux textes, nous avons l'OADA, nous avons la CIMA. Sur le plan de la hiérarchie des textes, quelle est la loi qui est au-dessus de l'autre? Merci. Comme la question de l'indemnité de fin de carrière a déjà été abordée, je préfère y répondre tout de suite. Je ne pense pas, peut-être que je ne le sais pas ou je ne l'ai pas lu, mais je ne pense pas qu'au niveau de la CIMA, on ait institué le taux auquel on actualise le flux. Non. Moi, dans le texte de la CIMA, je n'ai jamais vu, peut-être que M. Ouattara est là, il pourra nous aider, un taux auquel les flux futurs de l'IEC vont être actualisés. Je ne vois pas ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de conflit de tel texte ou tel texte. Je n'ai pas vu ça dans la CIMA. Si quelqu'un l'a vu dans le texte de la CIMA, il me le montre, je prendrai le temps de le lire. Mais moi, pour moi, il y a, cette question ne n'a pas raison d'être, quoi. Et à même pas de conflit, parce que c'est un droit particulier. C'est un droit particulier. Ouais. Ok. Ah, d'accord. D'accord. Bon, parce que il y a des intervenants qui sont en ligne. Oui. Si vous le permettez, on va prendre peut-être deux, trois questions techniquement. Trois, d'accord. Est-ce qu'on peut lancer tout de suite? Oui, bien sûr. Voilà. Je pense qu'ils sont. Ils vont juste se présenter pour qu'on puisse les identifier. Ouais. Vous allez connaître. C'est ce qu'ils sont connectés là. Vous allez connaître. Regarde bien. Le Alain Kouam là. Il n'est pas de la scope. Blaise Yao, je connais très bien. Puisqu'on a beaucoup parlé de digital. Dans ce que vous faites au quotidien, j'espère qu'ils seront bien au rendez-vous, parce que sinon on peut continuer le temps qu'on puisse régler les aspects techniques.
En attendant qu'on mette au point la participation des internautes, Fodé va compléter, apporter un complément là. Relatif à la question sur le base. En fait, je voulais appuyer ce que Abdou expliquait, en fait, pour répondre à la question de Wadirou et Souleymane. En fait, je ne vois pas de contradiction entre les deux tours. En fait. D'un côté, on vous dit, vous actualisez pour évaluer, en gros, ce que vous devez verser. Donc, ça, c'est d'une part. Donc, pour savoir aujourd'hui si vous devez avoir la valeur de ce que vous devez verser à tous au titre de vos engagements, vous le faites en tout domaine. De l'autre côté, quand vous faites votre tarification, Simon vous dit, vous faites votre tarification en prenant en compte une toute technique donnée. Donc ça veut dire que vous évaluez d'abord une partie, et ensuite cette partie-là, vous l'actualisez avec le taux technique par contre. Donc vous voyez que ce sont deux taux différents où il n'y a pas à proprement parler à faire. Selon la compréhension que j'en ai, il n'y a pas de contradiction. Et c'est pourquoi je voulais appuyer un peu ce que Abdou disait. Donc, mais peut-être que le régulateur qui est là pourrait peut-être arbitrer. Mais je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre les deux taux. Est-ce que nous pouvons juste faire une précision pour que les gens comprennent bien ce problème? Est-ce qu'il n'entend pas la précision? Merci beaucoup, Président. Merci, Abdou, de tes réponses, Fodé aussi. En fait, ma préoccupation est celle-ci. Lorsque on nous dit qu'il faut actualiser sur la base des taux des obligations d'État, supposons que ces taux soient de 6. Nous allons placer notre épargne sur des actifs qui nous donnent un rendement de 4%. Avec un taux d'intérêt de 3,5%. Est-ce que il est logique de faire l'actualisation sur la base de 6% et d'appeler la cotisation correspondante? C'est ça la vraie question. C'est que si vous actualisez au taux de 6, vous allez avoir une cotisation qui est moindre que celle qu'elle devrait être. Et vous allez avoir sur le long terme, s'il y a toujours cette différence négative entre votre taux de rendement et le taux d'actualisation, vous allez avoir sur le long terme une insuffisance de votre fonds. Voilà la question réelle. Et c'est pourquoi je dis, mais est-ce qu'on est obligé d'actualiser sur un taux de l'OADA, même si nos actifs ne sont pas placés en obligation d'État? C'est ça le problème. La question est claire. Attends, avant de répondre, il y a... Ok. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Vas-y. Alors, donc, pour la question liée à la tarification de tout risque souffrant, c'est parfaitement raison. Hein. Je pense que le marché a pratiqué de l'assurance pendant très longtemps sans avoir été très sévère sur la tarification. Et ça, je pense que Eric ne va pas me contredire. Quoi. On a pratiqué ici de l'assurance sans être sévère sur la tarification. Parce que si on a 100 de primes, quel que soit le risque qu'on veut couvrir, si on n'arrive pas à mettre plus de 60 en provision pour sinistre à payer, moi je me demande comment on va arriver à payer nos sinistres. Donc en tant qu'acteur, nous sommes que sur une prime de 100, la borne inférieure du montant qu'il faudrait mettre en provision pour sinistre à payer, c'est minimum 60. Mais on est dans un marché où entre le tarif que la compagnie fait pour vivre et ce que la compagnie doit donner à son apporteur d'affaires, c'est tellement colossal que finalement le coût du risque des fois même peut aller en deçà de 50. Donc on a de vrais problèmes de tarification. Et donc le rôle d'un acteur dans une compagnie d'assurance, quand il arrive par rapport à ces produits qui sont des taux risques sauf qui sont difficiles à tarifer, c'est là où l'on se dit, on n'arrive pas à mutualiser le portefeuille par rapport à ce dont on dispose, et c'est là où on fait attention à la façon de réassurer le produit.
C'est là où tout de suite l'actuaire doit avoir ses capacités de comprendre qu'il n'arrive pas à mutualiser un risque. Et quand on n'arrive pas à mutualiser un risque, on réfléchit sur le modèle de réassurance qu'il faut mettre en place. Voilà, je crois que la réponse est là. Il faut faire appel à son réassureur qui nous mutualise le risque, lui a déjà eu à gérer ce type de risque. Un exemple simple, au Cameroun, les SAPSO sont considérés en réalité comme un petit peu de trésorerie donné aux compagnies, parce que lorsque vous avez déjà assuré votre risque et que pour qu'il rentre au Cameroun, il faut que vous présentiez une assurance FSO, vous n'avez pratiquement pas de données vous permettant de réfléchir sur un tarif pour la simple et bonne raison que vous n'avez jamais rien payé. Donc là, la meilleure des solutions, c'est d'avoir recours à son assureur en attendant qu'on ait une historicité de ce type de sinistre. Merci. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, effectivement, il faut faire appel à son réassureur et puis il faut aussi demander des cotations auprès de plusieurs acteurs, sachant que lorsque vous le ferez, vous aurez souvent des prix différents, mais les prix seront différents peut-être parce que ces assureurs-là ont des données, plus de données que d'autres, et aussi parce que lorsqu'ils font de la tarification, ils tiennent compte de la capacité qu'ils ont en termes de risque et des fonds propres. Donc souvent, une partie du prix qu'on affiche, je tiens aussi compte du fait qu'il y a une capacité de risque qu'on peut absorber, et c'est donc ce qui va pouvoir jouer là-dessus. Mais encore une fois, l'enjeu sur ce type de contrat, enfin là, monsieur voulait parler de la réassurance, mais ça passe aussi par la souscription. Donc typiquement, accepter des polices tout risque sauf, c'est dangereux pour l'assureur. Donc il faut aussi qu'il essaye d'encadrer cela, qu'il essaye de limiter le volume qu'il prend sur ce type de risque-là dans son portefeuille. Et puis, ce qui se passe également sur d'autres marchés qui sont passés en fait à de la solvabilité basée sur les risques, c'est que chaque fois qu'on prend ce type de risque-là, effectivement, on voit ce que ça coûte en prime, en provision, mais comme c'est aléatoire, ça va aussi coûter cher en capital, puisqu'on demandera de mettre du capital en face. Comme nous avons pris l'engagement d'écouter sur le blockchain notre jeune acteur, il prendra un peu moins de 2 minutes pour qu'on puisse conclure et que la FANAF puisse continuer son travail. Oui, en attendant, c'est vrai. En attendant que ceux qui veulent poser la question en ligne les posent. C'est... Oh, c'est ici, je peux pas dire. Je vais remercier le président de la FANAF, le secrétaire général de... Okay. La présentation, s'il vous plaît. Et le président du panel. Donc, effectivement, il y a un adage qui dit qu'à force de bien servir, les clients finissent par leur ressembler. Je ne suis pas acteur. Je suis bien ingénieur en supply chain, titulaire d'un MBA américain et détenteur de plusieurs certificats, notamment celui du MIT en blockchain. Donc, c'est quoi la blockchain? Donc, la blockchain est une technologie de stockage et de transport de données distribuées de façon cryptée, qui permet donc de sécuriser entièrement la transmission de l'information. Donc, vous aurez compris le parallèle avec la logistique, le transport et le stockage de données. Donc, la blockchain, c'est 6 technologies en une seule, d'accord? Vous avez les technologies de cryptographie, donc avec le hashing qui permet de sécuriser complètement l'information. Vous avez ce qu'on appelle l'eurodatage ou le timestamping. Vous avez la signature électronique. Vous avez le livre distribué qui permet à tout le monde de partager la même information. Et vous avez en effet la technologie de partage d'informations en bloc. Donc vous avez rapidement ici l'architecture d'un bloc. En réalité, chaque bloc contient la même information qui est partagée dans tous les blocs. C'est pour ça que c'est très difficile de hacker en fait une blockchain. C'est pratiquement impossible. La puissance de calcul qu'il faudrait n'est pas encore disponible avec les technologies actuelles. Donc d'où vient la blockchain? La blockchain est un peu mystérieuse. Elle vient d'un dénommé Satoshi que personne n'a jamais vu,
qui a inventé la blockchain et avec aussi le bitcoin. Donc juste pose dans vos esprits, oubliez un peu le bitcoin. En fait, c'est une application, c'est une des nombreuses applications de la blockchain. Donc l'une des applications de la blockchain, justement, qui va intéresser l'industrie de la réassurance, l'assurance, c'est les contrats intelligents, smart contracts. Donc qu'est-ce qu'un smart contract? Donc vous allez voir tout de suite le parallèle pour votre industrie. Voilà votre chaîne de production, de l'assuré jusqu'au retour cessionnaire qui est enfin et en bout de ligne. Donc imaginez une industrie où vous êtes capable en fait d'automatiser la gestion et le paiement des sinistres. Retourne un peu en arrière, 2021, canal de Suez, presque un mois, sinistre, $1 milliard. Imaginez le nombre de bénéficiaires, imaginez certainement que certains n'ont certainement pas dû être payés jusqu'à présent parce que tout est manuel. Donc vous avez la possibilité par exemple de pouvoir automatiser la gestion des sinistres parce qu'avec un contrat intelligent, les conditions sont définies d'avance et dès qu'il y a survenance du sinistre, tous les calculs afférents sont faits et les indemnités sont complètement payées automatiquement. Voilà de quoi on parle quand on parle de smart contract. Imaginez plus facilement, vous souscrivez à une assurance voyage, votre avion est en retard, votre avion est annulé, vous n'avez pas besoin de demander quelque chose, automatiquement vous recevez une notification, vous avez reçu un payout de votre compagnie aérienne. Voilà de quoi on parle en fait. Et de nombreuses autres applications. Donc l'industrie de la blockchain, c'est une industrie qui va valoir des centaines de milliards de dollars et qui va en fait croître de plus de 100 fois entre maintenant et 2027 et 2030. Elle va impacter plus de 65 industries dans le monde, la banque, l'assurance, la réassurance, personne ne sera épargné. Donc pour le cas de l'Afrique, de façon précise en fait, les smart contracts pourront être évalués jusqu'à, en fait au niveau mondial jusqu'à 10 milliards en termes d'impact. Comment ça se passe? Parce qu'avec un smart contract, il n'y a plus de redondance d'information, il n'y a plus de papier, il y a beaucoup d'efficience, etc. C'est l'ensemble de tous ces gains qui ont été évalués par PwC entre 5 milliards et 10 milliards au niveau mondial. Donc, vous reconnaissez un peu certains de vos challenges ici dans l'industrie, je vais rien vous apprendre. On parlait tout à l'heure de retard dans la notification des sinistres. Ça a un impact que nous on appelle en supply chain l'effet du fouet, parce que l'information est asymétriquement distribuée. Vous apprenez 6 mois, 9 mois, ou des fois un peu plus tard que le sinistre a été effectué, c'est maintenant que vous devez faire face à ça. Si vous n'avez pas bien calculé vos provisions pour le sinistre non déclaré, ben, vous allez avoir des problèmes de solvabilité. Et donc vous avez une liste de problèmes comme ça, l'utilisation du papier, l'exposition au cumul, je pense que vous vous reconnaissez un peu dedans. Et avec la blockchain, en fait, vous serez capable, notamment avec la question de l'IFRS 9 et la gestion de la réconciliation, vous serez capable en fait de résoudre l'ensemble de ces problèmes-là. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour faire le pas? Oui, de nombreuses compagnies européennes, américaines ont déjà fait le pas, sont sur le chemin. Il y a de nombreux consortiums qui se sont créés, tout simplement parce qu'avec la blockchain, on règle le problème congénital de l'asymétrie de l'information. On règle le problème de la duplicité, de la duplication de l'information et on vous permet d'être beaucoup plus efficient, sachant que la plupart des réassureurs africains, en fait, sont moins efficients en moyenne par rapport aux plus grands réassureurs mondiaux. Donc, qu'est-ce que la blockchain va vous apporter? Donc, productivité, automatisation jusqu'à 100% de toutes les tâches rébarbatives, analyse, souscription, etc. On le fait déjà à une petite échelle et ça va aller forcément en s'améliorant. De la traçabilité, imaginez pouvoir disposer d'un audit en temps réel. Pas besoin d'attendre 6 mois, 9 mois à la fin de l'exercice. Vous avez la possibilité de tracer l'ensemble de toutes les actions en temps réel et à tout moment. Et évidemment, éliminer complètement la fraude. Voilà, ce sera plus possible puisque avec la blockchain, vous avez une technologie d'eurodatage, vous avez une technologie de hash, de cryptage qui permettent dès qu'il y a une notification d'informer l'ensemble des parties qui sont prenantes au contrat. Donc c'est impossible de faire de la fraude. Donc les avantages attendus pour ce qui
qui concerne l'Afrique, les chiffres que vous voyez étudiés et calculés par un consortium africain, jusqu'à 100 millions de dollars en termes de potentiel par an, tout simplement, et aussi avec un impact sur la profitabilité même des actifs des compagnies qui peut aller jusqu'à comme vous le voyez, jusqu'à 3,5%. Donc le modèle de gouvernance que nous préconisons, c'est un modèle de consortium, donc où tout le monde est sur le même pied d'égalité, donc toutes les compagnies qui voudront bien faire partie de ce consortium seront sur le même pied d'égalité, auront les mêmes droits de signature, etc. Et le modèle d'engagement, c'est un modèle super léger qui a la souscription, qui fait en fait que les compagnies peuvent croître et utiliser le service en fonction de leurs besoins et de leurs activités et de leurs opérations. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible, Président. J'espère que j'ai pu tenir dans les 10 minutes. Je suis Alexandre Njoré, je vous remercie. Mesdames et messieurs, on est en plein dans la modernité et dans l'efficacité et l'efficience. Merci, mon cher. Est-ce qu'il y avait une ou deux questions pour notre exposant? Oui, une question. Deux questions. Micro baladeur, s'il vous plaît. Micro baladeur. Allô. Djoum Abdoulaye, informaticien de la Sangré actuaire. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur la fraude. Est-ce que la fraude, c'est au niveau de l'identification des acteurs de la blockchain? Pour faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas violer donc, ou usurper une identité et s'incruster dans le système. Ou bien est-ce que la fraude, ce sont les documents en tant que tels? C'est-à-dire, est-ce que vous avez derrière un mécanisme d'intelligence artificielle pour voir les papiers, les pièces, ou en tout cas les justificatifs qui peuvent amener à payer les sinistres sont réels et ne sont pas des éléments falsifiés? Deuxième question que j'ai, c'est par rapport à l'aspect financier de votre solution. Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, automatiquement débiter et créditer les comptes des différentes parties prenantes? Nous, les réassureurs, on a ce problème-là avec les cédantes. On serait vraiment très content si demain on avait une blockchain où automatiquement, voilà, les primes de part et d'autre, on peut débiter ou créditer les comptes. Ce serait merveilleux. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ok, merci. Bonjour. Alors, concernant Rosavac de Ultimate Solution et T-Consulting, maison de software, donc technologie high-tech. Concernant blockchain, avant ça, il ne devrait pas avoir Rushlicom, parce que je travaille sur le marché européen. Et justement, avant blockchain, il faudra avoir des standards, des templates, des standards sur le marché national pour pouvoir transférer les extraits de compte. On parle plus de comptabilité technique à ce niveau-là. Donc, avoir une rapidité, effectivement, des paiements, des sinistres, etc. Ce que nous, on a fait, en fait, sur le marché italien et sur le marché français, où on a déjà concrétisé, parce que ça fait 11 ans qu'on parle de ces systèmes, et finalement, on a concrétisé à travers les solutions. Donc, il faut des providers pour accélérer cette démarche. Donc, comme vous n'avez pas touché quelques mots auparavant sur la partie Rushlicom, je pense qu'il faut commencer par ça pour arriver à ce moment-là. Parce qu'il faut lui donner. Et ça se lie aussi au niveau de l'actuariat. Pour analyser, modéliser les risques, il est nécessaire d'avoir les données. On parlait de la tarification. La tarification, en fait, c'est le marché qui l'impose. Parce qu'on peut tarifer. Effectivement, j'ai travaillé dans le pricing. On tarifie au niveau technique, mais en fait, c'est le tarif commercial qui va, le tarif de marché qui va driver. Parce que les réassureurs, ils font leur marge, ils évaluent leur capital, leur rentabilité, leur oracle, etc. Donc, c'est le marché qui va driver le prix. Donc, je vois Eric qui a réagi, donc je te laisse la parole.
Parce qu'effectivement, à la fin, on prend ce que propose le marché, mais il faut juste faire attention parfois, parce que souvent, le marché peut être conduit à offrir des prix qui n'ont aucun rapport avec le risque, et là, on rentre plutôt dans un cycle qui est extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est bien que l'assureur ait sa propre expertise du risque, et c'est ça qui l'aide en fait à choisir, enfin à bien choisir entre différentes offres. Voilà. Voilà, je te redonne la main. Non, merci. On prend la dernière question. Hein? Comme ça, on répond. Oui, oui, allez-y. Merci. Je m'appelle Elijah Omar Sek. Je suis le directeur du Centre professionnel de formation en assurance du Sénégal. En fait, je voulais poser une question au conférencier sur la blockchain. Mais en même temps, en fait, je voulais peut-être, lancer une question sur le débat sur le digital. Et en ma qualité de formateur, je voudrais vraiment qu'on fasse un peu de pédagogie du changement. Parce qu'en fait, tout changement, parfois, quand même, mérite quand même des mesures d'accompagnement. Je pense que... aujourd'hui, peut-être avec la blockchain, c'est vraiment du 100% digital, hein, vraiment qu'on préconise, mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de déshumaniser le contrat d'assurance? Je pense que au-delà même du blockchain, c'est une question qui s'adresse vraiment au changement qu'on veut faire intervenir au niveau du secteur des assurances en parlant du digital. Je pense qu'il faut faire un clin d'œil quand même à l'humain quand même dans cette nouvelle donne. Parce que n'oublions pas aussi qu'en Afrique, nous avons en fait une culture orale. Je pense que ça c'est extrêmement important. On a une culture orale. Hein, et je pense que même d'ailleurs le problème même du développement de la microassurance le montre. Jusqu'à présent, il y a quand même des initiatives en matière de digital, en matière de développement de la microassurance, mais ça tente à se développer parce que tout simplement, le secteur informel n'est pas encore préparé vraiment au 100% digital. Merci, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Donc la première question était relative à la sécurité sur la blockchain et comportait deux aspects. Donc effectivement, quand vous parlez de type de blockchain en termes de gouvernance, vous avez à peu près quatre types de blockchain. Vous avez des blockchains publics, vous avez des blockchains privés, vous avez des consortiums, vous avez des blockchains hybrides. Donc dans un consortium, ça veut dire que tous les membres du consortium se connaissent. D'accord? Donc vous avez une sorte de signature électronique. Donc par exemple, prenez l'industrie de l'assurance africaine, donc à peu près 500 acteurs ont tous une signature électronique et participent donc au consortium. Donc personne d'autre ne peut rentrer dans le consortium sans l'accord de toutes les parties. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de sécurisation, effectivement, c'est au niveau des documents. Donc imaginez que quand vous soumettez un document, vous avez en fait ce qu'on appelle une signature électronique qui s'appelle un H. D'accord? Donc c'est une suite de caractères et de chiffres qui est générée à partir de l'ensemble du contenu du document. Si vous changez un point virgule ou un point sur ce document, la signature de ce H change et tout le monde est informé. C'est pour ça que la sécurisation de la blockchain est vraiment une réalité en fait. Donc ça apporte la sécurité à la fois au niveau des acteurs comme au niveau des documents qui sont soumis. Ensuite, le deuxième aspect, je pense que votre deuxième question était relative en fait à l'automatisation de la gestion des paiements. Effectivement, la réponse elle est oui. La blockchain peut aller jusqu'à ce niveau. Donc imaginez simplement un scénario où quand vous êtes partie prenante au consortium, donc vous avez donc l'ensemble de tous les comptes bancaires des compagnies qui sont listées. Donc on sait exactement que vous faites de la banque avec X, Y ou Z banque. Donc en cas donc de paiement de sinistre et le contrat étant clair, il ne va pas changer au moment de la déclaration du sinistre, les formules mathématiques s'exécutent et le paiement s'exécute. Donc vous avez la possibilité de réduire la masse de travail de tous ceux qui sont au recouvrement et de tous ceux qui sont au paiement, qui passent beaucoup plus de temps en fait à
en griffe à recouvrir qu'à avoir de l'argent. Donc voilà un peu pour répondre à votre question. Pour la réponse, la question de la dame, merci pour la contribution. Effectivement, la réponse se trouve un peu dans le consortium. Parce que quand vous rentrez dans un consortium, c'est une forme de standardisation. Et donc, absolument, il y a une forme de standardisation des documents. Dieu merci, l'industrie de l'assurance et de l'assurance est extrêmement stable. Donc, les formes de documents sont plus ou moins stables, mais ça fait partie effectivement des prérequis pour pouvoir entrer dans le consortium. Maintenant, pour revenir à la question du visage humain de la technologie, pour résumer un peu votre préoccupation, je vais peut-être vous surprendre. Rapidement, alors, en 2008-2009, nous sommes au Kenya, M-Pesa est au début. Tous les experts de la Banque mondiale disent, mais c'est impossible, le taux de literacy, le nombre de personnes qui savent parler, écrire et s'exprimer, ils ne savent pas parce qu'ils ne pourront pas utiliser la technologie, ils ne pourront pas utiliser le téléphone. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'histoire. M-Pesa, c'est à peu près 25% du GDP du Kenya aujourd'hui. Et ce sont des Maasai qui n'ont jamais appris à lire et à écrire, qui envoient de l'argent avec leur téléphone. Donc, faites très très attention quand vous voulez faire des suppositions par rapport à l'adoption de la technologie et des Africains. Les Africains sont très résilients et s'adaptent très très vite. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, au contraire, la blockchain peut permettre et la technologie peut permettre, au contraire, d'avoir un visage humain. Parce que vous serez capable, vous les actuaires, de concevoir des produits personnalisables grâce à la masse d'informations qui sera aujourd'hui analysable et qui est aujourd'hui disponible, mais qui n'est pas aujourd'hui utilisée en fait. Donc, arriver à utiliser la technologie pour personnaliser au maximum les produits qui sont fournis, pour moi, c'est donner un visage humain à l'assurance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez la génération Z, c'est-à-dire des gamins qui sont nés après les années... Bon, j'ai l'air comme ça quand même, j'ai passé mes 40 ans. Des gamins qui sont nés dans les années 2000 et autres, qui sont nés avec le smartphone. Ce sont des natifs digitaux. Ces gamins-là ne visiteront jamais des agences de banque, ne visiteront jamais les agences d'assurance parce qu'il y a des études qui sont sorties depuis 10 ans, 15 ans, qui montrent qu'ils veulent tout faire avec leur téléphone. Donc, je pense que c'est un monde qui change, c'est un monde qui évolue, et il faut s'adapter avec l'évolution du changement. Merci. Une dernière question. Ok, je crois que l'orateur a tellement bien répondu que certaines questions qui pouvaient monter ont obtenu leur réponse. Je conclurai. Je crois que notre ami Bézé Wadjiro-Diallo a insisté sur la différence de taux. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. Quand le taux est inférieur, vous avez un gain de taux, et quand le taux est supérieur, vous avez une perte de taux. Parce que vous allez avoir un prix faible pour un taux important, alors que vous avez un placement technique obligatoire qui sera en réalité plus faible, mais avec un résultat de prime plus important. Ce sont des choses qui sont communes, qui sont réglées, et c'est en cela qu'il est important qu'avant de signer ce type de contrat, il faut le conseil de son actuaire. Il faut absolument le conseil d'un actuaire. Vraiment, on les aime, les actuaires. Prenons conseil. Ça sera utile pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est une problématique à ne pas négliger, parce que ça peut conduire à des pertes assez graves. Merci. Un complément de d'Abdou, parce que je crois que vous en avez déjà discuté. Ouais, un petit complément, quand il disait, est-ce que nous sommes obligés d'actualiser à ce taux-là, qui est très supérieur au taux qu'on a garanti. Vous êtes obligés, pourquoi? Si vous avez garanti 3,50 et que le marché vous rend un taux de rendement de votre actif. Si les obligations d'État sont à 5 et quelques, et que vous avez un actif général dont le rendement est égal à 3, vous devez vous poser la question de savoir, mais est-ce que votre allocation d'actifs est actique? Donc, vous êtes en train de vous demander vous-même, mais est-ce que nous avons bien placé notre portefeuille? Donc, c'est une explication de la déconnexion entre ces deux taux. Vous avez une obligation. Si maintenant, vous vous rendez compte que vous vous écartez entre le taux de rendement que vous avez, vous, parce que vous, les assureurs, quel que soit le taux de rendement qu'ils ont, ils disent qu'ils ont garanti 3,50, vous payez 3,50. Même s'ils avaient 6...
Oui, mais non, je n'oublie pas je n'oublie pas la dispersion. Je tiens aussi à comprendre, faire comprendre à toutes les compagnies d'assurance que si vous n'avez pas des gestionnaires d'actifs, vous resterez toujours sur des problématiques de taux de coût de garantie. La gestion d'actifs, c'est un métier. C'est important. Vous ne pouvez pas, vous, être des assureurs, être à la fois des actuaires, des managers, des gestionnaires d'actifs. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait ça. Il faut former, pour prendre des jeunes qui sont des gestionnaires d'actifs, qui s'assignent pour faire de la gestion d'actifs. Le problème que vous posez est un problème qui revient toujours dans ce marché. Il faut que chacun fasse son métier. Il faut donner à vos actuaires le rôle à faire. Maintenant, moi, je vais demander à la CIMA qu'on organise un séminaire sur l'actuariat des engagements sociaux. Il disait tout à l'heure qu'on aura des pertes et des gains à la FANAF et à la CIMA, parce que moi, je pense que la CIMA aussi est un peu concernée par ce problème. Ah bon, d'accord, ok. Et donc, qu'il y avait des pertes et des gains, mais l'OADA a réglé ses pertes et gains. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre l'esprit de l'OADA dans l'organisation du taux et l'organisation des reporting. Les pertes et gains actuariels sont gérées annuellement. Et il y a un coussin qui fait que des fois on les amortit, on ne les amortit pas. Mais ça, c'est un travail d'actuaire. Ce n'est pas un travail de comptable. C'est un travail d'actuaire. Donnons aux actuaires une place dans ce marché. C'est fondamental. Et surtout, poussez vos actuaires à apprendre. Ne les laissez pas faire d'autres métiers que l'actuariat. La plupart des jeunes que je crois sur le marché, ils me disent, moi je suis là, mais je ne fais pas de l'actuariat. Il faut qu'on règle ce problème. Merci. Je veux dire la vérité. Le président me pousse à conclure, mais mon cœur ne me pousse pas à conclure. Mais comme je ne peux pas prendre la place du président, je vais conclure. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Là, nous avons mis le doigt sur le métier qui va aider le marché à être plus compétitif et, en réalité, à grandir de façon plus saine. C'est quoi un actuaire? Mais un actuaire, c'est le technicien en mathématiques qui va vous permettre d'évaluer les gains futurs ou les pertes futures pour que vous soyez en mesure de les corriger ou de les supporter, de les faire accepter à vos actionnaires. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle sur deux métiers. Le métier du comptable. Le comptable, lui, travaille sur le passé parce qu'il enregistre les choses qui sont passées et qu'on connaît parfaitement. Là, il faut gérer l'information. Mais l'actuaire aussi travaille non seulement sur l'information du passé, parce qu'il s'appuie dessus pour concevoir l'avenir, mais l'actuaire travaille sur le futur. C'est l'actuaire qui va vous dire, oui, c'est bon, on peut y aller, parce que quand j'ai fait mon modèle et que j'ai fait mes projections, les choses paraissent à notre avantage. Non, il ne faut pas y aller, parce que quand on fait nos projections, les choses paraissent à notre désavantage. Si, à partir de ça, on ne conçoit pas qu'il faut qu'on ait un acteur dans la maison qui s'occupe de collecter l'information, parce que plus l'information est collectée proche de la source, plus cette information est bonne et de bonne qualité. Mais quand on s'en éloigne, l'information devient, elle demande 60% de temps pour la corriger. S'il vous plaît. Comme après que le comptable et le directeur financier, et il y a de plus en plus d'acteurs qui sont directeurs financiers, ont réglé le problème des états financiers, il faut que le commissaire aux comptes vienne déclarer si ces états financiers sont conformes. Quand l'acteur qui est de la maison a préparé ses projections, il faut que le consultant actuaire vienne regarder et dise oui, il a fait son job. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que si l'acteur travaille en solitaire, il court des risques de se tromper. Donc, il faut aider à ce qu'il y ait des associations d'acteurs nationales et même sous-régionales. Tout à l'heure, je demanderai à Abdou Cissé de nous produire un plan d'action. Moi, je conclurai sur ça en disant, aujourd'hui, nous avons notre Institut international des assurances de la zone qui forme des acteurs. Donc, nous avons un diplôme qui nous permet d'obtenir des équivalences pour dire que voilà, tous nos gens-là que nous appelons acteurs ont une formation qui est la même. Parce qu'aujourd'hui, il y a
des formations d'acteurs qui pullulent un petit peu partout, qui montent, parce que bon, il faut dire la vérité, l'enseignement c'est un business. Donc quand quelqu'un est venu payer sa formation d'employeur et qu'en réalité cette formation-là n'est pas conforme à ce qu'on appellera le pédestal, c'est-à-dire la formation de l'UIA, on aura du mal à demander à la CIMA, mais voilà, nous avons une formation, nous avons des acteurs, pourquoi ne pas créer un ordre des acteurs de la CIMA ou pourquoi ne pas instituer un agrément des acteurs de la CIMA pour que cette fonction devienne, comme elle est en réalité, ce qu'elle est, une fonction clé de l'entreprise. Je pense que la prochaine FANAF dans laquelle nous allons arriver, et comme il y aura à chaque FANAF maintenant une journée de l'actuariat, nos marchés vont faire sur le plan technique un véritable bond, j'en suis sûr, je le souhaite, et je prends même le risque de dire que c'est comme si c'était déjà fait. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président de séance. Et puis, après cette communication, nous allons procéder dans quelques instants à la remise des cadeaux pour les panélistes. Et après cela, il est prévu la lecture et l'adoption des résolutions. Mais je signale que il est temps pour certains de s'inscrire pour les excursions prévues à Gorée, Banja et Lac Rose. Vous avez jusqu'à 13h pour le faire. Parce qu'il faut, que le restaurateur s'adapte en cas de surnombre. Il y a un nombre qui lui a été donné, mais si toutefois il y a des gens qui veulent aller dans ces sites-là, ce serait bien de le faire avant 13h. Pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires. Et puis, pour le test PCR, je pense que tout le monde a eu à le faire. Et c'est en haut. Je pense que, voilà, dans la salle. Alors, les cadeaux pour les panélistes. La FENAF et Mme Rosalie Legault, membre du bureau exécutif, vont remettre les cadeaux aux panélistes. Zara, tranquille. Bon, je vous présente également ce livre, l'extension de l'assurance au Sénégal en défi public et privé, avec Biron Bek Ndiaye, préfacé par le président Macky Sall. C'est en vente au niveau du hall et ça pourrait peut-être vous inspirer ou vous aider. Les tableaux. Ah. Il y a quelqu'un qui a pris mes documents. Regarde s'il n'y a pas en... Les diplômes d'abord, après les tableaux. Je précise également que le dîner de ce soir, c'est au Grand Théâtre. Pour ceux-là qui ne connaissent pas ce site, c'est l'un des endroits, les espaces culturels les plus en vue au Sénégal. Le dîner, c'est libre pour tout le monde. Et les bus prennent départ au niveau des hôtels. Chacun, voilà, chacun peut attendre que les bus viennent les chercher dans les hôtels. Le dîner, c'est à 19h30. À 18h, les bus sont positionnés. Le mieux, c'est d'être prêt à 19h. Il faut s'inscrire pour les excursions. J'insiste et j'insiste encore pour qu'on ait un nombre assez consistant. On avait dit 50 personnes, mais je pense qu'il y en aura plus pour chaque site. Comment ?
Il faut un bus à l'hôtel Lina ou une voiture. D'accord. Alors pour s'inscrire pour les inscriptions, c'est juste au niveau du hall, en sortant. Mais pour le déjeuner, c'est libre quartier. Hein. Chacun va débourser quelque chose pour s'alimenter. Voilà. Monsieur Fodé Keita. Et Monsieur Cissé, Abdou Cissé. Photo de famille, et puis à ce rythme, il va plus rester de tableau à Dakar. Hein. Il va falloir bien à l'oblige. Bah oui, il faut assurer les tableaux aussi. Hein. Je sais que pour que les tableaux de Picasso viennent à Dakar, il a fallu. Les assurer à coup de. Je ne vais pas dire, je vais pas tout dire, mais. Bon, il nous fait juste une information à vous passer. Voilà, justement, donc, pour ce rendez-vous de l'actualia, nous avons retenu une seule résolution, conscient du rôle et de l'importance de l'actuaria dans les entreprises d'assurance, des assurances et des caisses d'institutions de prévoyance, il est vivement recommandé, dans le cadre de la redynamisation de la Fédération des actuaires de la FANAF, la création d'associations d'actuaires nationales, à l'instar du Cameroun avec la maison de l'assurance des actuaires de la Côte d'Ivoire et du Sénégal avec l'Institut national des actuaires. Je vous remercie infiniment. Bon, juste de prendre un.
Oui, ça s'est rapporté dans les autres.